Bonjour, bonsoir. Je sais pas quand on commence à dire bonjour et bonsoir. Est-ce que vous nous voyez bien? On est un peu, on voit pas nos visages. Comment ça va à Bali? Hello, bonjour, vous Comment m'entendez? vous allez? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Moi j'ai ma tête qui regarde. On voit pas mes yeux là. Ça c'est Ah. un peu nul ça. Je vais vous faire monter un peu. Comme ça on va bien tout voir. Hop. Tac. Est-ce que vous voyez bien mon visage? Est-ce que là vous voyez tout là? C'est beau. Normalement, ça devrait Voilà. être OK. Normalement, c'est OK là. On a un petit élément de décor Ouais, en info. plus aujourd'hui. Je sais pas si vous avez remarqué par rapport aux précédentes émissions. Je suis très heureux de t'accueillir à Bali. Merci. On va faire un peu une présentation. On va découper l'émission en deux parties. Regarde, D'accord. attends, je vais monter encore un peu. J'ai ma casquette qui n'est pas parfaitement dans le cadre. Donc c'est bizarre. Oh, est-ce que c'est pas du peu? Voilà. Tac. Là, on commence à être un peu mieux, on nous voit un peu mieux. Salut camarade, salut Stéphane Caden, merci de nous rejoindre encore cette semaine. Cette émission va se porter sur la mode et la couture, et c'est pour ça que j'ai Abali avec moi aujourd'hui, qui est président de l'asso des effilochés. Bonjour tout le monde. Voilà. Tu peux te rapprocher un peu pour qu'on te voie et tout. Voilà, D'accord, ok, nickel. exactement. Hop, qu'on t'entende Voilà. bien. Est-ce que tu veux nous raconter un peu ce que c'est les effilochés? Alors, les Effilochés, du coup, c'est une association que j'ai fondée avec Vanessa, qui est ma Vanessa Lebougou. Du coup, on est deux à avoir monté les Effilochés. Ok. Il y a déjà l'association un peu plus d'un an aujourd'hui. Oui, Ouais. quand Vous même êtes un combien? an. Vous êtes 100, une bonne centaine maintenant, même plus? 200, maintenant plus de 200? 100, Ah, plus de 200. faut mettre à jour le site, hein. Moi, je suis allé voir cet après-midi, je me suis renseigné. Il y a écrit même 90, je Ah crois. ouais, non mais non, maintenant on est plus de 200 déjà, ça va tellement vite, mais moi je m'en rends même pas compte tellement ça va vite. Bah, c'est trop On est bien, vraiment dans la hein. dynamique, donc Ça c'est montre que super. ça marche et que les gens sont intéressés par ce que vous proposez. Tout à fait. En fait, ce qu'on fait justement, c'est Oui, qu'est-ce que vous que... proposez justement? Alors, donc ce qu'on propose, en fait, avant tout, c'est surtout de permettre aux gens, soit aux passionnés de couture, déjà de couture, broderie, tricot, vraiment les arts du fil au sens large, Ouais. d'expérimenter, de se retrouver et d'échanger, vraiment Ok. d'échanger avec tout le monde. Donc, surtout que merci de nous recevoir d'ailleurs ici à l'Académie du Climat. Du coup, on Aucun a accès à problème. la manufacture. C'est quoi, Où... attends, c'est quoi la manufacture? Là, tu donnes des choses, tu donnes des Ah oui. trucs. C'est que les gens qui nous regardent, ils savent pas forcément ce que c'est la manufacture. Je sais Ah. pas si vous êtes déjà venu à l'Académie du Climat. Et vous Alors. devez venir à l'Académie du Climat. Ça, c'est sûr, ça vaut le coup. Qu'est-ce que c'est la manufacture? Alors, la manufacture, c'est plus de 100 mètres carrés. Je dirais un bon 150 mètres carrés. Ouais, En elle est fait, grande dans la salle, hein. ouais, une très grande salle en fait où on a accès aux machines à coudre familiales, donc industrielles. On a les surjeteuses pour ceux qui savent ce que c'est, pour faire les finitions des vêtements. On a les fers à repasser. On a tout le matériel nécessaire pour pouvoir fabriquer nos propres vêtements ou Ok. réparer, corriger ce qu'on veut. Voilà, pour vraiment produire. Et surtout, on a accès à ce lieu-là. Ouais. Donc, vu que les Effilochés, c'est une association avant toute chose d'art du fil, donc on fait du tricot, de la broderie, de la couture, beaucoup de couture. On fait des ateliers du coup. On anime aussi les permanences tous les vendredis, Ok, ouais. qui sont ouverts au grand public d'ailleurs. Donc vous pouvez venir et voir par vous-même. Et le samedi, tous les samedis, on a deux samedis par mois, Ouais. on anime un atelier du coup qui est public aussi, qui est ouvert à tout le monde. Il Ok. suffit de s'inscrire, normalement sur le site de l'Académie, Ouais. c'est mis à jour de façon régulière et on est au courant de ça. Je vous mets le lien, je crois que sur le site, c'est dans l'agenda. C'est une permanence le vendredi, samedi, vendredi soir, je Oui, tous les crois. vendredis soirs, il y a une permanence, donc toutes les semaines. Et deux fois par mois, on a une permanence également publique qui est ouverte à tout le monde. En plus de cela, les effilochés, en tout cas les membres de l'association, bénéficient du coup de moments où on échange de ces permanences publiques. On bénéficie, nous, du coup, de créneaux, donc le dimanche toute la journée, donc de 10h à 18h. Et le samedi soir aussi, à partir de 18h, on a des créneaux, donc Ouais. durant lesquels nous, on organise du coup les ateliers où on se performe. Est-ce qu'il y a déjà des gens dans le chat qui sont déjà venus aux ateliers là, des effilochés? Ça Ça. m'intéresse de savoir. Et est-ce que tu veux savoir, parce que un truc, c'est qu'on a appelé les vendredis couture. Ah oui. Est-ce que tu aimes bien le nom ou pas? Bah, ça me va très bien. Parce que c'est moi qui l'ai trouvé. Ah bah bravo. Donc j'attendais de voir ta réaction sur le fait de est-ce que tu aimais bien le nom de l'atelier ou pas? Bah tant mieux, vendredi Ok. couture, ça a au moins le mérite d'être Ouais, clair. c'est ça. C'est le but, c'était vraiment de faire comprendre aux gens très facilement. Eden Lune, bonsoir, pas encore. Ah bah, il va être temps de venir voir à Bali. Est-ce que tu es là à tous les ateliers Non, ou... mais justement, j'ai une équipe énorme, énormément de personnes, des gens super, super dynamiques. C'était Irène, Agnès, voilà. L'intérêt des effilochés, justement, c'est qu'on est de tout âge, tout genre. Il n'y a pas de genre, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de style. On n'en a rien à faire de savoir que vous mettiez quelques matières, que ce soit. On n'est pas là pour juger. L'idée, c'est vraiment de s'amuser tous ensemble, de se rencontrer, de transmettre la passion. C'est le but premier même de l'asso, transmettre la passion, montrer qu'on peut faire de belles choses ensemble. Ok. Moi, par exemple, j'ai fait tous mes vêtements que je porte aujourd'hui.
Pardon. Donc là, toi, du coup, toi, tu fais à fond de la couture et oui. C'est un peu ça dont on va parler aujourd'hui dans tout l'émission. Ça va être d'expliquer est-ce que tu as réussi à combler peut-être le fait que tu n'achètes plus, soit neuf, soit même d'occasion, j'imagine. Tout à fait. Et est-ce que tu arrives concrètement à faire tes habits toi-même? Alors, du coup, montre-nous un peu tes habits d'aujourd'hui. Là. Alors, ça m'intéresse. Alors, donc, du coup, là, par exemple, là, j'ai fait un cargo. Okay. Je suis pas tendance. On va dire ça comme ça. C'est tendance le cargo? Ouais, a priori. Ok, d'accord. Ce t-shirt là aussi, bon, il est pas c'est pas le plus simple. Ouais. Je vous montre aussi ceci. Ah, il est venu avec tous ses habits. Hein. Ouais, j'adore à faire, j'avais ramené tout ce qui est possible comme ensemble, donc un sweat. Vous voyez, j'ai même mis une petite doublure. Waouh, ça c'est hyper beau et tout. T'as vu? Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est une doublure qui venait de quoi avant? C'est un tissu en fait en coton que j'ai récupéré. Ok. Et là encore, voilà, j'ai fait cette veste là. Donc je peux m'habiller par exemple aujourd'hui, je suis entièrement habillé par moi-même. C'est incroyable. Voilà, et même le dos aussi, vous voyez, je me suis amusé à rajouter un petit. Comment dire, un tissu d'ameublement. D'ameublement, ça, comment ça? En gros, à la base, vous faites les coussins et les rideaux. Ah, ok, d'accord. Donc, vous voyez, en fait, l'intérêt de la couture, en tout cas, c'est ce que ça permet... On parle bien dans le micro pour que les gens entendent. Alors, l'intérêt de la couture, pour moi, c'est vraiment de d'accord. L'intérêt pour moi de la couture, c'est de pouvoir se libérer des carcans et de ce qui est imposé, finalement. L'intérêt, c'est de prendre la distance. Okay. Du coup, on n'est plus obligé d'acheter un magasin de façon péremptoire, tout le temps, voilà. Ça change tout le paradigme. Parce qu'une fois qu'on sait coudre, on ne va plus en magasin, on se dit oh là là, ça je peux le faire, ça c'est assez simple. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça change toi, ta vision en fait et ton regard par rapport à ce que tu portes et par rapport aux vêtements. Tout à fait. Okay. Ça change tout en fait finalement parce que quand on a passé 6 heures à coudre quelque chose, qu'on a passé 50 heures parfois quand je fais un manteau, je peux vous dire que pour le jeter, on y réfléchit. À deux fois. Pas que deux, même beaucoup même plus souvent. Fois. Voilà. Stéphane Galden qui demande, on a Eden Lune qui dit très fort, donc j'imagine que c'est par rapport à tes habits. un bon compliment. Et nous avons Stéphane Galden qui dit fabriquer même les chaussures dans le futur. Alors. Ah bah détrompez-vous. Dis-le en rigolant, j'ai un ami couturier d'ailleurs que je vais aller voir bientôt, qui a commencé à fabriquer ses propres chaussures d'ailleurs. Des sneakers qu'il fait avec. Bon, ça demande un travail particulier, mais il existe aujourd'hui, bon, pas encore en France, il les a su les commander aux États-Unis, mais pour le coup pour former. Avec la forme de son pied, okay. Il arrive à fabriquer ses chaussures. C'est pas encore parfait, mais l'idée déjà là, je commence à regarder. Dès qu'il sera prêt, je vais le suivre. Je vais suivre la foulée. C'est quoi son nom? Parce que est-ce qu'il y a déjà des gens qui peuvent aller suivre son Du coup, c'est Frey Couture. Vous pouvez le voir sur Instagram, en tout cas. Je vais regarder comme ça. Je vous donne le lien. C'est ça, Frey Couture. Oui, Frey. Attends, on va regarder ça ensemble. Voilà. Passons ceux qui veulent se lancer. On a ce week-end, donc ce samedi, pour le coup. Ah oui, on n'a pas parlé de ça. C'était un peu aussi le sujet du live et tout. Alors avant, juste, tu peux m'épeler comment ça s'appelle? F-R-A-E. F-R-A-E. Couture. Couture. Attaché, tu penses? Oui. Besoin, je vais le trouver, quoi qu'il arrive. Moi, je vois aucun résultat. Hein. Voilà. Oh là là, Kassim, il a encore changé son truc ou non? Parce qu'il est connu pour changer régulièrement. Un peu. Je vais lui donner son nom exact comme ça. J'ai l'impression que les gens dans le chat sont assez intéressés par le fait de faire eux-mêmes leurs chaussures. Y a un problème. Est-ce que vous avez déjà fait, vous, de la couture? Est-ce que vous avez trouvé ça difficile et pas forcément accessible? Ça peut être intéressant pour Abali justement d'expliquer à quel point ces ateliers peuvent vous aider à franchir ce cap pendant qu'il cherche son ami qui n'existe pas. Oh non. T'as trouvé un argument pour leur répondre alors qu'il n'y avait rien en fait, si j'ai bien compris, c'est ça? Ben si, il est là, non, il existe, moi, oh là là, je l'ai vu faire. Non. Mais bon, même moi j'existe pas, tu vois, il y a un problème. Ah, voilà. Il y a un problème, alors attendez, c'est toujours ma faute, c'est ça? Ah bah attends. Attends, regarde, il y a de la... Mais peut-être parce que c'est pas connecté, je sais pas. Mais non, regarde. Ah non, il n'y a pas. Bon. Ben voilà. Bah on vous invite. Voilà. On vous invite, je vais l'écrire sur le chat. F-A-R-E Couture, c'est ça? Voilà, normalement vous allez le retrouver sur Instagram. Allez voir ce monsieur sur Instagram et j'ai l'impression qu'il va vous aider à faire vos propres chaussures. Je sais pas du tout coudre, je n'arrive même pas à mettre le fil dans le chat. Et lui dans le chat, dans alors. Le chat. Alors attendez, avant qu'on passe à la pratique, parce que, en fait, on vous a montré un peu tout à l'heure, il y a un fer à repasser ici. Oui. Et ici, on a une machine à coudre. Voilà. C'est parce que dans la deuxième partie de l'émission, oui. On va coudre. Voilà. Ou plutôt. Abali va m'apprendre les premières astuces, on va dire les premiers, je sais pas moi, les... Le premier projet, le on va premier... dire son premier gros projet. C'est ça, le premier gros projet, il va peut-être aussi vous donner des astuces pour vous lancer. Je connais pas trop le prix que ça peut engendrer d'acheter une machine, est-ce qu'on peut les louer? Est-ce qu'il existe... peut-être commencer du coup par des ateliers en fait. Oui voilà, en fait le plus simple, je pense de toute façon, déjà, comme je vous ai dit, samedi déjà, pour ceux qui n'ont jamais cousu, il y aura d'ailleurs, on a invité justement une marque de machine à coudre qui va venir vous expliquer... Vous ne pouvez pas à la machine, vraiment, vous n'avez jamais cousu votre vie. Il y aurait des initiations à la machine à coudre. Donc je pense que ouais, c'est pas très accessible quand tu connais pas.
Oui. Moi, si j'achète ça et que j'ai ça chez moi, ça va être compliqué. Ok. Tu peux y arriver. Moi, en fait, je savais pas coudre il y a 2 ans encore. Hein. Je savais pas coudre du tout. Ok. J'ai commencé par aller sur YouTube. Oui, j'ai commencé par aller sur YouTube, à faire mes premiers pas. J'ai commencé à coudre les masques. Oui, on était pendant le confinement et tout ça. Donc, il y avait encore cette idée de coudre sans masque et de le faire soi-même. J'en avais marre d'attendre que ça soit disponible. Ok. Donc, du coup, je l'ai fait moi-même. Et bah, c'est comme ça que je suis commencé à expérimenter. J'ai fait les premiers petits projets. D'ailleurs, le projet qu'on va faire tout à l'heure, c'est un projet assez simple et accessible aux débutants. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le Festival des Arts du Fil, c'est un peu le propos. C'est De ça. dire, en fait, donc le Festival des Arts du Fil, c'est ce qu'on Ouais. organise, nous, les effilochis, du coup, demain. Non, Non, samedi. samedi, pardon. Oh là là, je suis oublié. Il est déjà Je suis la déjà fin de là. semaine. Je suis Il déjà là. veut déjà le week-end. C'est Je veux moi l'événement. si tu veux, je te fais une petite présentation. Et Allez, voilà. vas-y. Samedi 1er avril. À partir de 18h, j'ai toutes mes notes juste à côté. À partir de 18h, de 10h jusqu'à 18h, vous pouvez venir ici à l'Académie du Climat pour apprendre et s'initier à la pratique de la couture et en plus en général sur l'art du fil. Oui, il y a des tricots, il y aura du tricot, crochet, broderie, du Voilà. tufting aussi, donc fabrication Je sais du pas ce que tapis. c'est. En fait, tu fabriques un tapis avec une sorte de pistolet, en fait, de laine. Pourquoi on n'a pas fait ça? Ça a l'air trop bien. Moi, je veux un tapis chez moi. Bah attends, il faut venir, tu vas voir. Ok, bah Il y aura ouais, des ateliers, il y aura même des conférences aussi d'ailleurs. ok. C'est quand même important parce qu'au-delà de la production, il y a aussi cette réflexion qu'on a voulu avoir sur la mode au sens général. Donc il y aura. Un côté pratique et un côté théorique, en fait, si je comprends bien. Oui, théorique, et surtout même en fait, même dans la théorie, il y a quand même c'est de la discussion concrète pour avoir vraiment une réflexion par Ok. rapport à ce qu'on fait. Par exemple, il y aura SlowVR qui va avoir une intervention. En fait, le but c'est Coucou que Chicha. Coucou Aïcha. Chicha Kikou, enfin je suis là, Voilà. coucou tout le monde, et je sais, j'ai passé une question qui était si on n'est pas sur Paris, est-ce que vous proposez des patrons, des astuces pour confectionner ces habits? Alors, on est en train de réfléchir justement à mettre en place des tutos. Pour ceux qui viendront au festival, pour le coup, il y aura des suites pour avoir des vidéos pour continuer ce qu'on aura démarré. Ah Parce qu'on bah, fait... vas-y, 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 pardon. Alors, on va peut-être revenir d'abord sur le festival, comme ça j'explique Je... bien les détails. Ouais, vas-y. Je disais juste que Abali, juste avant le live, me disait qu'il avait envie de se tenter à faire des lives couture, justement. Ouais. Donc, donnez-lui de la force et envoyez-lui des DM pour le motiver à faire des lives. Parce que je pense que ça peut être une très bonne idée de faire ça en live avec des gens qui posent des questions, qui puissent interagir avec toi. Pourquoi pas, je le garde, je retiens cette information, mais pour le coup, l'idée c'est en fait du festival en premier, c'est de dire justement de permettre aux gens qui n'ont jamais cousu, parce qu'on a plein d'ateliers, même pour les parents et les enfants aussi, Ouais. qui seront là le jour-là, donc tout le samedi d'entre 10h et 18h, il y aura plein d'ateliers qui vont s'enchaîner, c'est vraiment le cœur de l'événement, et à côté du coup, il y aura les conférences et les échanges, vraiment c'est des échanges, plus que des conférences, il y aura du coup Thomas et Bélé de SoWeAre, qui est une asso Je qui accompagne sais des pas qui boîtes. c'est. Qui accompagne les entreprises de la mode pour essayer d'être le plus responsable possible. Ok. Donc ils ont d'ailleurs sorti un livre qui s'appelle La face cachée des étiquettes, où on parle en tout cas de autant de vêtements que de tissus. En fait, l'idée c'est vraiment de parler de. Même la seconde main, on a tendance à la pousser, ok, mais peut-être avoir la réflexion de dire, c'est pas une excuse pour se consommer. Il questionne la question de la surconsommation, du greenwashing, de tout ce qui. Tout ce que ça concerne, c'est vraiment un livre très intéressant, je La trouve. face cachée des étiquettes. Oui, c'est un livre. Oui, il est Bon. sorti il y a même pas un mois, il est Alors, tout neuf pas en sur ce CDI. site. Ce serait pas drôle, oui, Non, c'est mieux ça. là. Bah, je vous donne. Sur la Fnac, c'était bien. Bah, la Fnac. Bah, non, mais même, il a pas un site ou quelque chose, tu penses? Si, là. C'est lui? C'est eux, oui. Donc C'est du lui? coup, il y a SlowVR qui sera là, qui va en parler. Vous pouvez même discuter Allez. avec lui, venez samedi. Il sera là à midi, je crois. Mais parce qu'il y a c'est qu'il y a un vrai sujet, justement, sur la seconde main, sur le fait que. Il y a pas longtemps, j'ai vu un article qui disait que Emmaüs avait de moins en moins. Bah, de vêtements donnés par les gens puisque tout le monde vendait sur une application bien connue maintenant qui est Vinted Oui. et que c'était un peu problématique parce que du coup justement même la seconde main est devenue un vrai business Oui. et du coup des assos comme Emmaüs étaient vraiment en manque d'habits et de vêtements pour alors que ça fait combien de temps ça existe Emmaüs mais c'est très 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 vieux Oui. et t'avais du coup bah, ce nouveau business qui commençait à arriver chez les gens et du coup les gens donnent moins en fait. Tout à fait, parce que il disait justement, j'avais vu l'article en question qui disait que avant ils avaient 60% de ce qu'ils récoltaient qui était vendable, qui était vraiment utilisable. Donc maintenant, ce que les gens font, donc dans les 60, ils arrivent à s'en sortir. Parce Ok. que dans les 40, maintenant, en fait, c'est redescendu à 40%. Parce qu'en fait, quand les gens ont quelque chose de qualité, des produits de marque ou des produits en très bon état, le réflexe premier, c'est de le vendre d'abord sur les plateformes de vente. Ça va être sur Vinted ou sur Il y a Le Bon le bon coin, Coin, ce ouais. qu'on voilà. Donc ils vont pour avoir de l'argent et ils ne revendent que des produits, soit ils ne donnent à Emmaüs du coup que des produits. Oui, bah la
c'est quoi, c'est la chicha qui coud, voire se donner sont de mauvaise qualité. Tout à fait, c'est exactement ce qu'elle soulignait. Et du coup, en fait, ils expliquaient, que, et bah, ils sont en tout cas que, cette seconde main, c'était aussi un moyen pour eux de nourrir leur, de compléter leur, comment dire, leur, d'avoir des sous, quoi, de rentrer aussi ouais, d'argent, ça permettait de nourrir toute la chaîne, en fait. Et finalement, et même la seconde main aujourd'hui, il y a beaucoup de marques même qui font exprès de dire aux gens, on récupère. C'est une sorte, c'est devenu aussi une sorte d'excuse au greenwashing. Oui, mais c'est ça. Donc d'où l'intérêt de discuter avec Thomas. Et vraiment, il a abordé ce sujet-là. Il parle aussi des matières. Okay. On parle par exemple des matières, genre on entend parler de cuir d'ananas, on dit ouais c'est super, c'est écolo, mais en fait c'est la pire chose qui existe. Okay. Il m'expliquait en fait que, ça, je vous donne encore les exemples, vous allez voir, dans le livre, c'est plus... Il y a Chicha Kiku qui dit je suis trop contente, Abali t'es sur mon ordi au boulot. Trop mignon. Donc le tout c'est que ce qui se trouve c'est que par exemple je parle le cuir d'ananas, ouais. Où à la base ça n'a pas de texture du tout, okay. Et pour donner la texture ils mettent du plastique. Ah en oui, gros, on perd l'intérêt. On perd l'intérêt même du oui, on va dire c'est vegan, c'est génial, mais au final, on perd l'intérêt même, comment dire, écologique ouais, de la ça. Chose, quoi. Après, ça peut être important de voir les critères de. Bah, souvent, il y a plein de gens qui sont vegan pour le bien-être animal, donc oui. Qui souhaitent, qui sont pas forcément écolo, hein, oui. Mais qui du coup ne veulent pas contribuer et participer à cette industrie-là, entre guillemets. Et il y a aussi du coup les critères écologiques, où bah là, clairement, si c'est ces critères-là, faut faire attention à quel, je sais pas comment on appelle ça, mais quel. Quelle matière, quelle matière utiliser, comment c'est fait concrètement, parce que il parlait aussi, bon, je vais pas faire toute la liste de ce dont il parle dans le livre, mais c'est surtout de dire qu'il faisait de faire attention. Déjà, c'est sur les détails. On parle du cuir végétal, alors que ça n'existe pas, en fait, c'est du cuir au tannage végétal. Voilà, il joue sur les mots. Ouais. Pour c'est tout le pour côté du greenwashing, où justement c'est la manipulation, et c'est on utilise souvent des expressions différentes. Alors qu'en fait, bah oui, t'as du plastique dedans, c'est pas 100% végétal parce que tu rajoutes des petits trucs dedans. Voilà, exactement. Et même, du coup, il va venir intervenir pour parler des tissus, okay. Et des produits, des étiquettes. Et ça, c'est ce samedi. C'est ce samedi pour l'Académie le festival. Du climat. Tout à fait, l'Académie du climat. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour la conférence? Oui, vaut mieux s'inscrire. Voilà, tout est sur Eloasso, normalement sur notre page Eloasso. Il y a tous les ateliers. Voilà, il y a tout pour s'inscrire. Tu peux déjà donner. Il y a écrit, je veux pas te déconcentrer, le festival, ça va être un événement. Oui. Ah oui, ça va être un bel événement, oui. Hello Marianne. Ah, merci Marianne. Ah, elle nous ramène, Marianne nous ramène des... alors, c'est quoi, les logos, comme là. Le logo, là. Il est prêt, on vous met de la signalétique. Ah, bien vous montrer ah, où oui. Ça se trouve. On fait tout en même temps ici à l'Académie Climat. On fait du live, on récupère la signalétique pour ce week-end. Incroyable, incroyable. Je vous mets le lien pour Hello Asso, pour voilà. Les inscriptions. Puisque du coup, j'imagine que pour les ateliers, les conférences, tout ça, c'est que sur inscription. Oui, c'est essentiellement sur inscription. C'est pour justement nous, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Ouais. Et il y a par exemple les places au tricot. Comme je vous ai dit, l'initiation de la machine à coudre. Ça, c'est pour les gens qui n'ont jamais cousu, c'est la bonne occasion c'est de tester. Ce que j'allais dire, c'est quoi le public visé, entre guillemets? Est-ce que c'est vraiment ouvert à tous et à toutes? Ou il y a quand même une... Ça dépend vraiment de l'atelier, mais l'idée c'est d'avoir vraiment tout le monde, okay. Et surtout inciter les gens à se lancer. C'est pas vraiment un truc d'élitiste, c'est pas vraiment un truc de pro, ni de passionné. Ok, il y aura les passionnés parce que forcément c'est bien sûr, nous. Bien sûr. Voilà, mais l'idée c'est aussi de tendre la main à ceux qui n'ont jamais cousu ou qui n'ont jamais. Qui ont voulu, qui ont toujours espéré, voulu, ou peut-être même qui sont juste curieux. Vous n'êtes même pas. Parfois, vous pouvez vous inscrire à l'événement général et juste venir. Rencontrer des gens et sur un malentendu s'il y a une place quelque part oui. Aller sur un atelier mais c'est pas ne vous sentez pas obligé en tout cas de vouloir d'être intéressé par la couture et par les arts du fil. Vous pouvez juste venir par curiosité et voir ce que ça donne quoi. Et de toute façon à l'Académie du climat vous n'êtes pas forcément obligé de réserver à chaque fois et il y a la buvette si vous voulez jouer à des jeux de société engagés vous pouvez vous poser dans la cour souvent il y a aussi il y a pas que le, je sais pas s'il y a que les arts du fil ce samedi. Aussi, ça se trouve, il y a aussi d'autres conférences. Oui, d'autres il y aura d'autres conférences, je crois, à 14h. Je crois qu'il y a une autre conférence le matin. J'ai pas regardé, j'avoue. Mais si, il y a une scène ouverte le soir. Il y a un atelier Inventons nos vies bas carbone. Bref, on va pas tout détailler, mais il y a plein de choses qui se passent. Donc, allez voir à Bali. Et comment il s'appelle l'autre monsieur là avec son livre La face cachée des étiquettes Thomas Ebele. Thomas Ebele. Il y aura aussi les témoignages de reconversion pour ceux qui veulent se reconvertir dans là-dedans. Et surtout, l'intervention de... Lucas du plateau fertile Fresh comment dire Fashion Green Hub du coup qui va parler de la mode made in France et tout ce qui est nouveau créateur de la mode responsable au sens large comment être responsable dans la production de vêtements. Bah voilà on a fait la petite promo de ce week-end on vous invite à venir en tout cas c'est important de promouvoir ce genre d'événement. Ah oui merci de me le rappeler Aïcha pour le coup le tout c'est que cet événement pour le coup
au-delà de cet aspect couture, tricot et art du fil, on soutient aussi une cause. Ok. Parce que tout la thématique de cet événement, c'est une thématique pour lancement du défi Avril en bleu. Ok, je connais pas du tout. Est-ce que tu peux nous en dire un peu Alors, le plus? bleu, c'est la couleur en France, en tout cas au-delà du monde, en tout cas de l'autisme, un peu comme le rose Le sida et tout? avec Non? le Avec le cancer. cancer, pardon, Le cancer excuse-moi. du dessin. Et C'est pas la même c'est rouge, chose. c'est rouge. C'est rouge le sida, c'est pas la même chose. Du C'est coup, la pareille. voilà, donc on va soutenir l'autisme. Et il y aura d'ailleurs Delphine qui va venir sur place. Ok. Qui, C'est qui Delphine du coup? alors, c'est une maman de deux enfants autistes. Ok. Et on va faire des levées de fonds d'ailleurs pour des IME, donc des écoles qui accompagnent les enfants atteints de l'autisme. Ok. Et l'idée, c'est de soutenir cette cause-là. Du coup, on va faire tout en bleu. Quasiment tous nos ateliers seront en bleu. Ok. Et c'est pour ça le... Non, c'est Peut-être pas assez bleu, mais peut-être ma pas assez veste, bleu. oui, elle est. Mais Ok. l'idée, c'est justement de promouvoir cela et mettre un petit zoom aussi sur l'aspect... Oui, cet aspect des choses-là, oui, cet aspect de dire, ok, la couture, parce que même dans l'assaut, on a fait un événement sur Octobre Rose auparavant, on Ok. a fait un défi, on a fait des sacs à drap pour des femmes qui étaient à l'hôpital, qui s'étaient fait opérer. Ok. Et là, en fait, Mais au-delà de la couture, on a toujours cette dimension un peu sociale aussi qu'on intègre à l'association, vous oui. avez pas fait une journée aussi, vous étiez en train de coudre des sacs de drap. C'est ça, C'est ça, tout c'était à fait. ça. Oui, c'était C'était pour Octobre Rose. en rapport avec l'Octobre Rose. Tout à Ils avaient fait. passé presque, ouais, mais c'est une journée ou 2 jours. C'était une Ah, journée, c'était de 10h à 22h, de non-stop. 10h à 22h non-stop en manufacture où ils étaient, vous étiez quand même beaucoup. J'imagine que ça tournait un peu quand On même, se relayait, il y on a se eu beaucoup de relayait. gens qui sont passés toute la journée. Plus d'une cinquantaine, je sais même plus, de Et couturières c'était un et événement, couturiers. c'était incroyable à voir et tout, la motivation des gens, le fait de venir, de participer à ça. Oui, ils ont été super, 300 sacs, voilà, en 11 heures, ce qui est quand même, qui est quand même beaucoup pour une journée. Et c'était tout fait main, Oui, tout à tu me dis fait. si je dis des Oui. bêtises. Et près de voilà, 70 personnes quand même. Oui, tout à fait. Ils ont pas mal. On a pas mal. Ça a tourné dans tous les sens. Et c'est ça qui est génial justement dans ce type d'association, c'est que tout le monde s'est réuni pour une cause, pour un truc. On s'apprend, on se transmet des choses. On s'éduque, on monte en compétences mutuellement. Et tout ça dans la bonne humeur. C'est pas technique, c'est pas. Voilà, c'est vraiment détendu. On n'est pas dans un esprit. On est vraiment dans un esprit. C'est d'ailleurs. De toute façon, la meilleure façon de le voir, c'est venir au festival, moi j'ai envie de dire. Ouais, il est très très fort, il est très très fort. Et ben ça va me permettre de faire la transition Oui. avec deux chiffres clés Oui. sur ce dont on va parler là maintenant tout de suite, qui sont que 110 millions de tonnes de textiles sont fabriquées chaque année. Donc c'est énorme. Et 30% des vêtements n'ont pas été portés pendant au moins un an en Europe. Waouh. C'est des chiffres qui sont quand même assez impressionnants. Et on est là justement pour parler de la couture, Oui. de son accessibilité. Et toi, tu nous dis que tu ne portes plus que de vêtements que tu fabriques ou Oui, presque. ou presque. En disant que je n'en ai plus acheté depuis que je couds depuis 2 ans, je crois que j'ai dû acheter un vêtement. Parce Ok. que pour le coup, en fait, le réflexe est simple. C'est que, bon, après, ça c'est quand tu commences à avoir un certain niveau de couture. Je te Mais je pense dis. qu'il y a des gens qui nous regardent qui ont un certain niveau de couture et c'est peut-être intéressant que tu parles de ton expérience, comment tu vis bah, ce quotidien sur le fait de ne pas acheter, est-ce que tu arrives à résister? On peut parler aussi de la méthode bisou. Je sais pas si Non, tu connais. dis-moi, dis-moi ça. Tu connais pas la méthode bisou? Non. Attends, vas-y, Allez. parle un peu. Attends, juste parce que je ne vais pas me tromper sur la méthode bisou. Mais est-ce que vous la connaissez cette méthode? Je me suis renseigné parce que je devais faire un TikTok sur cette méthode, justement. Oui. Et c'est en fait c'est une méthode pour éviter et consommer. Et pour éviter de consommer, pardon. Alors c'est D'accord. ça. Et en fait, alors, Oula, eh ben je découvre. tu découvres. Alors, T'inquiète. dis-moi, Belle, je C'est la connais. B comme besoin. Oui. À quel besoin caché répond le fait d'avoir. Ah non. C'est besoin. Est-ce que tu as besoin d'avoir ce vêtement? D'accord. Okay. C'est I comme immédiat. Est-ce que Ok. j'en ai besoin immédiatement? Ou est-ce que je peux D'accord. attendre? C comme semblable. Est-ce que j'aurais pas déjà un vêtement qui y ressemble? Tu vois? O comme origine. D'où vient ce produit? Pas Est-ce qu'il faux. est éco-responsable? Voilà. Est-ce qu'il a un label exactement? Et ensuite, utile. Est-ce qu'il D'accord. t'est utile au quotidien? C'est clair. C'est la méthode bisou. Voilà. Pas Et pas mal, mal, tu bien pour vois. le retenir. C'est ça, c'est la méthode bisou. Et je vais en faire un TikTok bientôt sur l'Académie du climat, justement. Et déjà, bah, je suis surpris que tu connaissais pas cette Non, méthode. oui, mais non, Non, je ne mais. suis pas aussi pointu que toi à ce Non, pas du niveau-là. tout, pas du tout. Niveau écolo, je Je suis me moins suis pointu que renseigné sur toi. ce sujet-là, c'est tout. C'est Et, mais il y clair. avait quand même aussi les 5 R. D'accord. Tu connais pas non plus les Oulala, 5 R? oulala, je dois me réviser. Au Non, secours, mais non, mais tapez-moi sur non. les doigts. N'importe quoi, n'importe quoi. Bah après moi c'est. Je suis là aussi pour ça, pour apporter des connaissances justement écologiques. Et toi t'es là D'accord. pour nous raconter ton expertise sur la couture. Et D'accord. avant qu'on parle des 5 R, bon c'est quoi, on va en parler maintenant, comme ça après Voilà. on en parle. D'accord. La règle des 5 R, c'est pareil, c'est une règle très simple. Ok. C'est refuser, Ok. réduire, réutiliser, recycler et rendre à la terre.
D'accord. Quand on consomme, on utilise ça, on doit penser à la règle des 5 R. C'est toujours refuser si on n'a pas besoin, réduire sa consommation, donc être plus sobre, réutiliser son vêtement, faire de la couture. Je pense que Bah, là, on est en plein dedans, on j'allais te est, dire, on j'allais te le est, c'est dire. ça, on est en plein dedans. Recycler quand c'est possible, donc utiliser des matériaux qui peuvent être recyclés et rendre à la terre. Ça, j'ai pas trop. Je pense que c'est pour faire du compost ou. Oui, mais ce genre de Oui, c'est choses. ça, composter les matières organiques, Voilà. exactement. Mais pour le coup, d'ailleurs, tu parlais de réutiliser, de recycler. Pour le coup, il n'y a pas plus intéressant que la couture pour ça. Je veux dire, c'est que quand on a un trou dans un pull, quand on sait repriser, quand on sait le combler, le réflexe ne nous vient pas de le jeter. Et puis même, supposons que, je ne sais pas moi, un vêtement de grand-mère, une chemise de papa, ne vous va pas. On peut le retailler, on peut le repenser. Il y a plein de TikTok, plein de vidéos sur Insta où des filles ou même des mecs d'ailleurs reprennent une chemise, on la découpe, on en refait une autre avec. On le repense en fait. Et puis c'est même le propre de l'upcycling. Moi j'ai déjà eu à utiliser des vieux rideaux. Je découpe dedans, ça fait des pantalons. Voilà, en fait, pour moi, c'est. En fait, quand on coud, à un moment, un tissu. Ce n'est plus une étoffe, quelle qu'elle soit, ce n'est plus juste un bout de tissu, ça devient des idées. C'est ça, c'est hyper créatif en fait Tout à comme fait. milieu, donc tu peux. En fait, rien qu'avec ça. Voilà, je le vois, je peux faire en faire une Vas-y, poche vas-y. et C'est incruster ça. quelque part, un petit bout. Voilà, ça peut être intégré, ça peut être un bout de quelque chose dans une. Ça peut combler un trou, par exemple, pour donner un petit peps. Ça peut être une broderie qu'on peut faire sur un trou mal placé, on fait comme c'était voulu. Et on en joue, on met des fleurs un peu partout. En fait, ça joue, ça participe au processus, en fait. Le jean, vous avez voyé plein en ce moment. D'ailleurs, même cette tendance, elle est tellement ancrée que même en magasin, aujourd'hui, des marques essaient de Qui reprennent reproduire pour faire couture l'effet un peu. upcycling. C'est comme les patchworks en Ouais, fait. Ouais, voilà. c'est ça. Par exemple, le patchwork, par exemple, c'est un très bel exemple. Pour ne pas jeter des chutes, on Ouais. fait plein de patchwork. Ça bouche les trous et comme Et en ça te même... fait des jeans très jolis. Exactement. Ou même, maintenant, il y en a même qui partent même de rien. Pour réintégrer. Si c'est pour revenir sur ma veste là, Vas-y, vas-y, remonte ta moi je veste. l'ai fait par exemple avec un tissu là pour le coup là, j'ai pris un tissu brut, Ok. bah, il y en a qui recouvrent. Totalement Le le. Ça existe par exemple, je sais qu'il y a Minimi Paris qui fait ça, qui fait des ateliers couture où on recouvre carrément une vieille veste par exemple, tu peux faire un empiècement comme ça que tu intègres, supposons qu'il y a une tache ou un truc que je peux pas, Ah tu recouvres oui, avec un tissu. oh, mon, j'avais même pas vu ça. Il y a aussi même dans la poche, Oui. c'est aussi refait. Oui, j'ai intégré par exemple la poche. Et là, par exemple, là, Incroyable. vous voyez, c'est les boutons vintage de chez Agnès B que j'ai récupérés. Parce que du coup, est-ce que tu peux donner des endroits peut-être à Paris? Comment tu fais toi pour récupérer toutes tes chutes, récupérer tout ça? Alors, les chutes, bon, j'en Bon. produis moi déjà, donc j'en récupère. Ok. Sinon, il y a des recycleries. Vous en avez dans les recycleries. Vous en avez, comment dire, ça s'appelle comment déjà? La réserve des arts. Ils ont quand même pas mal de choses à récupérer là-dedans. C'est quoi là? C'est où la réserve C'est la des réserve arts? des arts, c'est à Pantin. Ok. Il y en a, je crois, aussi dans le 14e, si je ne me trompe pas. La réserve des arts, mais c'est pour les pros, mais en général, ils récupèrent plein, plein, plein de choses. Mais C'est la réserve ça? des arts, il y a des éléments récupérés Et ça, c'est là-bas. payant ou c'est... Il y a un abonnement annuel, mais ça coûte que dalle. Hein. Ah ouais? Ça coûte que dalle, et je crois que c'est 20 euros l'année ou un truc comme Ah oui, ça. d'accord. Et après, c'est au poids. Ok. Après, il y a les cuirs de Paname, par exemple, qui vendent des chutes de cuir, Ok. qui est juste ici, rue de... comment on appelle ça encore là? Rue des Archives, Ok. Tu dis ça s'appelle comment? cuir de Paname Cuir de Paname. au pluriel, Ok. Benitex, voilà. En fait, il y a plein d'endroits différents où on récupère bah, parfois des chutes. Il y a même des fois, si on se renseigne un peu, bah, voilà, des ateliers parfois qui se débarrassent de leur stock en trop, ou même des couturières qui déménagent ou autres, parfois qui se débarrassent de plein de choses. Et puis, de toute façon, quand on reste dans l'univers de la couture, Pense que dans les groupes Facebook et autres, on a souvent les informations qui circulent. toi t'es beaucoup dans de groupes Facebook et tu suis beaucoup de comptes Instagram. Oui, bon, Instagram aujourd'hui c'est devenu limite, je ne vais pas dire un gagne-pain, mais pas loin. Disons que avec l'assaut et tout, je développe pas mal. Disons que je me développe dans cet environnement-là en fait. Ok. Donc vous pouvez voir même le compte des défilochés pour le coup pour avoir les informations. Ou même le mien d'ailleurs pour avoir les infos C'est vrai que aussi. je l'ai pas mis. Là, on vous donne plein de choses, c'est trop bien, je trouve. Allez-y. C'est vraiment le but de ce genre de live, c'est de pouvoir vous donner des outils, des endroits où vous, après, vous pourrez aller et aussi faire vos coutures, vos projets. Et ça, c'est ça qui est trop cool. Alors pour les questions, de toute façon, n'hésitez pas à m'écrire du coup au compte Le Fou de Coudre sur Instagram. Ouais, c'est grave, c'est Noël, Stéphane C'est Canem, c'est clair. clair, c'est Donc Le Noël. Fou de Coudre, je vous l'écris comme ça, vous Vas-y. l'avez.
N'hésitez pas à lui écrire. Hein. Ouais, écrivez-moi, vous posez des questions directement plus spécifiques, parce que là, comme ça, bah, j'ai sûr. pas forcément la bonne réponse. Peut-être qu'il y a des questions plus concrètes que vous pouvez me poser, et je pourrais y répondre de façon plus précise. Est-ce qu'on commencerait pas? Il est déjà 41 Ouais. et on a 20 minutes pour faire une jupe. Ok, Est-ce que c'est allons-y. faisable? On va essayer. On va On essayer. va se Allez, on essaye. débrouiller. Ok, par quoi on commence pour un débutant comme moi là, pour ce genre de choses? Alors, j'ai bien sûr repassé le tissu. Donc là, c'est une chute de tissu, justement. Ok. Bon, ça va faire une mini-jupe, hein, on est d'accord. Mais voilà, ce que je vais faire, donc on va faire à partir de là, on va faire une jupe, comment dire, élastiquée. Donc elle est hyper simple. Ça veut dire quoi, élastiquer? On va mettre un élastique à la taille. Ok, d'accord. Donc il n'y a Ok. pas de Y a question de pas besoin gestion. de... Ok. Voilà, ça fait gagner du Ça stop. fait gagner du temps. Ça peut être plus simple. Ok. On va faire ce qu'on appelle une couture anglaise. Ok, c'est quoi une couture anglaise? Alors, une couture classique, en principe, on prend deux bords qu'on met endroit contre endroit. Ok. Et ça fait des bords. Voilà. En même temps, ici, les bords sont à vif. Ouais. Et en fait, à la base, on doit passer à la surjeteuse pour vraiment bien faire que les bords soient. Les surjeteuses, en fait, ça donne des petits effets comme ceci. Bon, je sais pas si vous voyez bien, mais ça fait des petits zigzags en fait qu'on voit dans Ok. les Je vêtements. sais pas si j'en Pas... ai moi aussi. Non, j'en ai pas moi. Tu n'en as normalement sur tous les côtés? Non, j'ai pas l'impression. Hein. Après, moi, c'est un vêtement de... Pareil, c'est un vêtement que j'ai acheté à un lycée Oui. qui l'ont fait, je crois. Et du coup, bah, il n'y a pas, je pense. Normalement sur les côtés? Bah non, regarde, il n'y a rien. Ah oui, non, mais ils l'ont fait comment? Je sais pas. C'est Je sais. spécial On ça. a découvert une nouvelle technique en live. Bon, On sait pas comment c'est ils l'ont clair. fait. Bon, Incroyable. soit, en Ok. disant que classiquement c'est ça, mais en fait moi, la couture anglaise, c'est que on enferme la couture à l'intérieur, je vous montrerai. Ouais. Et le but, c'est que ça ne soit pas visible, que ce soit le plus propre possible. Ok. Donc ça fasse limite haute couture en fait dans les finitions. C'est quoi? Je vais prendre la caméra et je vais filmer D'accord. comment tu fais. Attendez. Hop, de toute façon, je vais faire deux coutures, donc je peux pouvoir aller plus vite. Je vais J'essaye prendre de la main prendre la dessus. caméra. Je sais pas si ça a marché ou si le fil est trop court. Non, malheureusement, ça n'a pas marché. Ah. Hop, je le remets. Enfin, pas pour longtemps, je pense, malheureusement. Tant mieux pour moi. C'est clair. Comme ça, si je fais des conneries, personne ne saura. Alors, tac. Hop, j'ai remis. Bon, bah, ce fut un échec Bah, de toute pour la façon, caméra. ça, je vais vous montrer chaque étape. Mais on va quand même pouvoir bouger un peu. Hop, il est à fond là. Hop, c'est parti. Tu fais la moitié, moi je fais l'autre, hein, par contre. Hein. Vas-y, vas-y, Moi vas-y. j'ai trop envie d'essayer là. Allez. Ah oui, t'es en format rapide là. Voilà, là, on a 20 minutes. C'est moi qui fais l'autre partie du coup là. Voilà, attends. Ça va être compliqué. Hein. J'avais fait une fois un atelier vraiment couture, mais là ça va être. Est-ce que du coup il y en a qui en ont déjà fait ici dans le chat? Ça m'intéresse de savoir à quel point vous aussi, si vous avez des techniques à donner, des endroits où aller pour apprendre justement, comme typiquement les ateliers des effilochés. En Voilà. fait, du coup, tu as aussi une pédale en dessous. Oui, j'ai une Ça pédale en dessous. permet quoi de gérer la vitesse? Oui, tout à fait. Ok, c'est ça. Ah oui, Alors, j'ai quand même deux trois petites bases. J'ai quand voilà, même deux donc trois j'ai petites fait une bases. couture là, vous voyez, elle est brute comme ça. Ok. Voilà, elle est fermée, du coup le vêtement, voilà, il est fait. Il est Ah fermé oui, du coup là. t'as fermé, ouais, ok, parfait. Voilà, donc ça fait un tube. Donc là, j'ai coupé le tissu, je l'ai plié en Et deux. là, c'est là après où tu fais la première étape de repassage, c'est ça? Voilà, je fais des étapes de Parce que du coup, repassage. à quoi ça sert de repasser à chaque fois En fait, ça permet de... L'intérêt du repassage, Ouais, attends. je me mets là. Vas-y, Ah. vas-y. Est-ce que vous l'entendez quand il est au fond ou pas? Vas-y, parle pour voir. Alors, l'intérêt du repassage, vous Ouais. m'entendez ou pas? Ouais, ils vont nous dire si ils t'entendent. Alors, ça permet du coup d'avoir de belles coutures. Parce qu'en fait, je peux le dire que quand on repasse, on voit tout de suite la différence. Ça Ok. permet d'améliorer la couture, de l'aplatir bien comme il faut, de donner un beau rendu et un bon rendu. Trop cool. On t'entend nickel, mais on te voit pas. Attends, je vais. Ça permet d'avoir un bon rendu surtout. Hop. Comme ça, vous le voyez comme moi. Et oui, parfait, on t'entend Donc ça nickel. permet d'avoir un bon rendu du coup. Ok. Et là, par exemple, ça me permet aussi de préparer le projet. Parce qu'en fait, en couture, le temps à la machine, il est de 20%, hein. Même pas, Ouais, voire ça même 10%. j'étais hyper étonné quand il m'a dit ça tout à l'heure, c'est qu'en fait on passe, entre guillemets, dans ce genre de petit projet, on passe pas énormément de temps à devant la machine en fait. Dans la plupart des projets, en fait, en vrai, Ok. on passe plus de temps à préparer le projet parce qu'en fait, disons que le passage de la machine, c'est vraiment pour fermer. En fait, on passe plus de temps à préparer. C'est pour ça que c'est intéressant la couture. C'est pas juste d'affilée. Sinon, on fait les rideaux et on est, ça suffit. Ouais. Mais là, c'est vraiment se dire, on C'est repasse, pas on con. prépare, on prépare le projet. On fait bien, on superpose les coutures pour que ce soit nickel.
Et une fois que tout est bien préparé, tout est bien apprêté, quand on passe à la machine, c'est comme dans du beurre, en fait. La question se pose même plus. Voilà, hop. J'ai mis le cadre droit parce que ça me perturbait là, c'était pas voilà, de... Voilà, donc si tu veux coudre, c'est maintenant. Ok, c'est mon moment là. C'est ton moment, allez. Ok, hop. Donc là, je suis censé faire une couture à l'anglaise, c'est ça? Oui, là, on a fait la première étape, donc okay. Là, tu vas faire la dernière. Ok, donc... C'est en deux temps, en fait, la couture anglaise. C'est quoi les premières erreurs que les gens font quand ils commencent? Les erreurs que là, je vais commettre devant les gens, là. Alors, donc là, bon, les erreurs, c'est de vouloir aller trop vite. Attends, je vais réduire la vitesse, parce qu'il y a aussi cette machine, on réduit la vitesse. Ok, il y a un petit bouton, justement, pour mettre la vitesse plus ou moins lente et plus ou moins rapide, et j'imagine que quand tu commences, mieux vaut commencer, là, en fait. Oui, voilà. Après, là, l'intérêt, c'est d'avoir les machines comme celle-là, parce que toutes les machines ne l'ont pas. On peut donner la marque, je pense, ça s'appelle c'est Juki. Oui, c'est une machine quand même, c'est le modèle AGL G120. Ok. Qui est du coup, on va dire, on est dans le moyen haut de gamme déjà dans en termes de qualité de machine. Ouais. Sinon, il y a la Brother FS40 qui marche du tonnerre. Toi, tu utilises laquelle, toi, chez toi? Là, moi, j'ai la Skyline S5 de Janome. Oui, ok. Là, je sens qu'on rentre, t'as perdu la moitié des gens qui nous regardaient. J'ai pas compris la moitié des numéros fait, que t'as donné. Marques, oui, c'est la Skyline, du coup, de Janome, en fait. Ok. C'est en fait des marques haut de gamme. En fait, l'idée, c'est que une machine, plus elle est haut de gamme, plus elle est stable. Ok. Plus elle prend d'épaisseur, parce que aussi l'épaisseur... Oui, parce que ces machines-là, elles peuvent pas prendre toutes les épaisseurs. Oui. Donc c'est important sur la texture et la matière plutôt, dans laquelle vous voulez travailler, d'adapter la machine à ça. Oui. Et puis aussi, en fait, le problème que beaucoup de débutants ont, c'est de partir sur des projets qui les dépassent. Parce que quand on parle de projets qui vous dépassent, c'est de dire, ok, le t-shirt par exemple, c'est ok, il est simple à monter en soi. Peut-être pas celui-là parce qu'il y a le V qui est compliqué. Mais un t-shirt à la base, il est simple à monter. Mais par exemple, le jersey... C'est une matière qui bouge. Voilà, comme on voit, c'est assez souple. Donc ça bouge, il faut pouvoir le gérer. Okay. Ce n'est pas évident. Surtout quand on débute, on sait déjà pas tenir droit. Ouais. On part sur des matières simples comme le coton par exemple. Okay. Piqué. Hein. Ah, ça veut dire quoi le mot piqué? Alors piqué, coudre quoi. Coudre, ouais, coudre. Donc là, je garde ça bien. Donc, bien, bien à plat. Bien à plat. Okay. Donc tu dois rester sur le 10. Tu dois faire en sorte que le tissu soit toujours là. Ok, voilà. Pour l'instant, tu fais un point de recul, tu recules en arrière pour bien bloquer la couture. Ah oui, ça je m'en souviens, j'avais déjà et fait après, ça. Et après tu repars. Et là je repars. Ça sert à quoi de faire un point de recul? En fait, ça permet de... En fait, tu recous en arrière sur ce que tu as déjà cousu. Ok. Ça permet de justement solidifier et bloquer la couture. Sinon ça se détache. Tu sais ce que j'ai l'impression de faire? J'ai l'impression de faire le téléachat le matin. J'ai l'impression de vendre la machine parce que c'est hyper simple et je suis en mode putain mais c'est au final c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Non, c'est beaucoup moins compliqué que ça en a l'air. Et là j'ai vraiment l'impression de vous voyez, regardez à quel point ça marche. Et en plus au final il voit même pas la machine donc ça se trouve je foire complètement et là t'es juste en train de dire ouais oh, il se débrouille très bien, bravo. Alors qu'en vrai t'es pas du tout quoi. Non mais en fait voilà, en fonction de la machine ça joue aussi. Ok. En fonction de la qualité de la machine. Après, comme c'est de la vraie bonne machine, du coup c'est pas mal, c'est facile à prendre en main. Tu vois, tu y arrives, tu vois, t'avances même plus rapidement. Ouais. Tu vois, il commence à aller vite, hein. Voilà, là, donc c'est bon, ça. En fait, moi je préconiserais en tout cas pour un début, quel qu'il soit, les machines électroniques. Parce que pour le coup, il y a les machines mécaniques et les machines électroniques. Pour moi, je suis plutôt friand des machines électroniques. On a quand même les petits appartements, en tout cas pour les Parisiens. Et si pour ne pas alerter tous les voisins, parce que les mécaniques ont tendance à faire beaucoup de bruit. Même si elles sont plus solides et qu'elles prennent plus d'épaisseur. Je bouge un peu, hein. Mais je sais pas si ça va aller. J'espère que c'est pas grave. Je suis pas tout le temps sur le 10 non plus. Hein. C'est pas grave, tu vas y arriver. Tu okay, vois, okay. On va leur montrer déjà. Mais la jupe est quasiment faite, hein, en fait. Hein. Il a fermé la jupe. Donc sur le côté. Là, t'as juste, en fait, on a juste pris un bout de tissu que t'avais repassé quand même avant, une fois, avant le live. Oui. Ensuite, tu l'as fermé. Tu l'as repassé, moi je le referme du coup avec une couture anglaise. Oui. Et on est bon quoi. Voilà. Alors comment on finit quand c'est comme ça? Tu fais aussi un point d'arrêt. Un point d'arrêt c'est ça? Non, on continue. Ok. Je vais jusqu'au bout. Ah oui. Sinon ça va ouvrir, voilà. Hop. On continue jusqu'à la fin du tissu, stop. Voilà, et après tu reviens avec ça. Hop, et ça revient en arrière tout seul, j'ai rien à faire. Voilà. Voilà. Et là après tu lèves l'aiguille. Hop. Tu lèves le pied presseur, tu recules, toujours en arrière. Toujours en arrière. Hop. Voilà, et après tu coupes le fil. Je peux que tirer comme ça? Sur le côté, il y a un petit encoche pour couper. Vas-y, attends, vas-y d'un coup sec. Attends, je ne vois pas l'encoche. Voilà, c'est fait. Tac.
Donc voilà, on a Attention, déjà. attention à vos yeux là, attention à vos yeux quand même. Donc là, vous voyez, c'est tout propre. Là, on est sous l'envers, là, du tissu. Il n'y a pas de, y a pas de fil qui dépasse, il n'y a pas de défilochage ou quoi. Et selon droit, voilà, ça donne tout nickel pareil. Mais ça, en fait, on peut faire une housse d'oreiller, on peut Voilà. faire, en fait, on peut faire tellement de choses facilement. Tu vois, en mode, tu récupères ça dans les endroits où on a mis tout à l'heure en lien sur le Oui, chat, Emmaüs ou autre, Emmaüs enfin, ou vieux autre. drap. En fait, même pour démarrer, moi j'ai envie de dire, si on n'a pas envie de se mettre la pression, on peut démarrer avec juste un projet comme ça. D'ailleurs, même pour ceux qui n'ont pas de machine à coudre, il y a une tombola d'ailleurs. Bah, merci, merci Ne Aïcha. me dis pas que t'avais pas vu le commentaire Mais avant. oui, il y a justement une tombola où on fait gagner une machine à coudre justement pendant le festival. Mais trop bien. C'est une machine comme ça là ou pas? Pas la même, c'est une autre qui est plus simple, mais ça permet, c'est une très bonne machine pour démarrer. Ok, Même pour d'accord. même sur raison, j'ai envie de dire, c'est une machine à coudre tout Ok, court. ouais, en tous les cas, c'est quand même Voilà. cool. C'est une tombola. Du coup, c'est payant une tombola Oui, ou? tombola, c'est juste pour aider l'assaut quand même. Tout Ok. l'événement est gratuit. Ok. C'est 2 euros le billet, le Ouais. ticket. Oui, merci Aïcha, tu payes Bah, pas le Nord. mais t'as raison, t'as Eh ben, raison. t'as bien raison de me rappeler les On est choses, là sinon pour je vais me faire taper sur les doigts. on est là pour soutenir les projets et pour les assos Voilà, comme après c'est les 2 euros le effilochés. ticket, donc il Ok. y a une machine à coudre à gagner. Il y aura aussi des bons pour imprimer des. Fais ta promo, vas-y, vas-y, c'est le moment là, je le Il y sens aura là, aussi des il est bons parti là. pour imprimer des patrons de couture Ok. à distance. Et 50 euros de 3 bons de 50 euros. On offre aussi un cours, une masterclass qu'on offre de l'asso, nous qui offrons comme masterclass. C'est quoi les masterclass? En gros, les masterclass, c'est des cours de perfectionnement. Ouais, ça c'est pour On a. former, pour voilà. Pour un point précis, par exemple, on a une masterclass, la prochaine masterclass, on est en train de travailler sur masterclass sur le maillot de bain. Est-ce que vous Faire son avez... propre maillot de bain Ok. ou des culottes menstruelles, par exemple. Ok. Est-ce que du coup, le fait de faire soi-même, il y a une vraie en mode les gens se, je sais pas comment dire, mais sont plus, c'est plus satisfaisant de faire soi-même. Il y a une vraie Ah, demande. ah oui, plus que jamais, c'est une vraie, vraie satisfaction, il y a un vrai sujet là-dessus. Ça change tout, en fait, je vous dis, ça change tout. Moi, par exemple, depuis que je couds, je vous ai dit, j'étais pas manuel, hein. Je savais rien faire, même poser des clous dans le mur, j'étais en mode, oh là là, Ok. c'est quoi la taille du clou? Voilà, mais depuis que j'ai commencé à coudre, ça a changé toute ma perspective. Là, j'ai envie de faire mes meubles, j'ai plus envie de rien acheter. J'ai envie de me dire, oh là là, quand je vois une table carrée, je dis, bah, c'est juste un carré. En fait, ça change tout. Ça change ta perception de ta consommation et Voilà. de tes affaires et de tes biens en fait. Oui, t'as plus envie de rien faire. T'en as marre aussi d'avoir tout le temps les mêmes choses. Moi, j'ai commencé à coudre, j'ai des bras plus longs que la moyenne, j'ai des jambes pareilles, tout longues. Quand je prends du M, c'est trop large. Du M, ça va. Quand je commence à prendre du L, c'est trop large. Le S est trop serré. À un moment, je trouve pas ce qu'il faut. Aujourd'hui, j'ai plus ce problème-là. Ça me convient pas. Je l'ajuste à ma taille comme je veux. Et ça y va, en fait. Est-ce que tu as besoin d'avoir beaucoup d'espace ou pas du tout? Très bonne idée de montrer comment faire les culottes et les protections féminines, c'est bien vrai. Oui, c'est ce Ouais. qu'on va. Justement, on est assez varié sur. L'intérêt de l'asso, justement, c'est qu'on écoute ce dont les gens ont besoin et les accompagne là-dessus. Et tu Ok. disais, c'était quoi ta question? Ma question c'était, bah voilà, j'ai oublié, c'était, est-ce que vous en souvenez Alors je ou continue avec la pas? jupe, je vais Oui, c'est repasser. vrai que il y a la jupe. Attends, mais est-ce que c'est, il y a une façon de repasser qui est les couches bébés aussi? Ah oui. Vous faites des couches bébés aussi? peut-être pas, à voir, mais c'est à noter, mais on l'a pas, il n'y a pas encore assez de parents dans l'association pour Bah, ça. s'il y a des parents qui nous regardent et qui souhaitent venir dans l'asso et proposer ce genre de projet, c'est le Voilà, moment. exactement. Si, en fait, on répond aux besoins et aux demandes des gens en fait dans l'asso, en fait. C'est même tous nos masterclass, nos cours. C'est vraiment par rapport aux demandes. Et attends, mais du coup, que tu repasses d'une façon particulière ou pas du tout? En fait, là, C'est quoi les techniques d'un bon repassage pour une... beaucoup de vapeur. C'est beaucoup de la vapeur qui vapeur? fait tout le travail en vrai. C'est la vapeur qui solidifie, qui est. Par exemple, là, tu vas voir, quand je vois qui. L'intérêt du truc, c'est que tu vois, là, ça fait. C'est pas régulier. Parce que comme on a cousu, Ok, là, je vais c'est là où il y a la venir. couture, là je vous fais un peu, je vous dis ce qui se passe là-bas au fond. C'est que là où il y a la ligne où on a cousu, c'était pas forcément parfaitement aplati, c'est ça? Oui, et là maintenant c'est bien aplati, tu vois, des bandes en Ok. côté. On peut même repiquer un coup ici pour bloquer ça de ces côtés-là. Ok. Tu vois quoi dire, ça sera bien plat. Et la prochaine fois, quand on fera des ateliers pratiques, on va mettre plusieurs caméras, comme ça on aura des angles partout dans le studio et vous pourrez voir comme moi, comme nous, ce qui se passe. Et du coup, le conseil que tu donnes pour Le repasseur, pour oui, il faut de la l'empassage. vapeur. Idéalement, si on a les moyens, on peut mettre une centrale vapeur, parce qu'il faut vraiment beaucoup de vapeur. Ok. Voire même des. J'aurais dit, ou alors on fait un repasser assez lourd. Comment ça, c'est lourd? Parce que pas les vapeurs, pas les faire repasser à 30 euros là, ça va fonctionner, ça le fait, mais c'est pas l'idéal. Ok. Ou alors pas les faire repasser de pressing. Ok, ouais.
très très bien lourd, parce que du coup ça fiche bien la couture, surtout quand on travaille les matières comme la laine, qui ont tendance à rebiquer ou autre, ça devient tout de suite un vrai sujet. Ok. Mais le repassage poli, ça change énormément de choses. Parce que ouais, j'ai l'impression que c'est un vrai, c'est hyper important le repassage. Ah, genre... c'est même, c'est, je me dis que c'est 40% de la couture. Mais comment ça se fait que ce soit si important? En fait, je me rends compte avec le temps que c'est la matière. Ok. Comme on la manipule, elle est à plat, on doit la transformer en 3D. Ok. On part du plat pour le 3D. Donc en fait, l'intérêt du repassage, c'est que la vapeur fiche le tissu. Ça bloque et ça le transforme. C'est ça qui permet la manipulation, en fait, au final. Ok. Bon, alors là, pour faire mes ourlets, parce qu'en fait, on fait l'ourlet du bas et l'ourlet du haut, pour le haut de la jupe, je vais tracer 1 cm tout le long en hauteur. C'est-à-dire qu'il met des points d'ancrage, pas des points d'ancrage, mais des points d'ampère. Oui, je trace en fait avec du stylo friction. Ouais. L'intérêt, c'est qu'il disparaît avec la chaleur. Avec la chaleur, ok. Donc, et c'est ça à quoi de faire ça du coup? De tracer pour voir à quel endroit je vais plier. Ouais. De toute façon, là, c'est le tuto en direct live et que je veux vous voir aussi après le faire chez vous. Hein. C'est clair. Ça a l'air tellement simple, entre guillemets. Ça a l'air pas si compliqué. Oui, bah, je trace ça, je trace comme on l'a pris. Ouais, là, c'est juste il fait une ligne droite en fait. Oui, il fait une ligne droite, une première ligne, pour faire le premier niveau d'ourlet. Un premier repli. Ah, en fait, c'est ça, tu vas plier. Attends, je vais t'aider. Oui, il fait un premier repli, tu vois, à 1 cm. Et c'est du coup on plie comme ça, ouais. Et après avec le repassage, tu vas figer. Ah c'est. T'as les termes techniques là, c'est incroyable. Tu vas figer le tissu. Voilà, je vais le bloquer comme ça, tu vois, il bouge plus après. Après c'est bon. Tu vois, je mets un peu de vapeur. Ok. Et tu vois, tout seul. Ah là. Oui, d'accord, ouais. En fait l'ourlet fait même tout seul en fait. Je sais pas s'ils peuvent le voir, mais. Non, je pense pas. En vrai, je sais pas ici. Voilà. Attends, vas-y, j'apporte. Voilà, tu vois, il y a le. Ça bouge plus en fait. Hop, comme ça, on a plié, il a fait une ligne et on a plié, et quand on a plié, après on a repassé, et du coup là c'est figé, c'est voilà. Ça oui, ça bouge plus, voilà, ça bouge plus, voilà, hop, et je vais faire pareil tout le long, et c'est ça qui va me permettre en fait de, tu vois, en repassant, et tu fais de l'autre côté du coup, je fais tout, lui, tout le long, tout autour, en fait, tout l'arrondi de la taille, c'est pour ça que je dis en fait que, vous voyez, on a passé combien de minutes là, On a parlé pendant je sais pas combien de temps et Non, je parle même de minutes par rapport à la machine, on n'a pas parlé. Ah oui, au final, on a passé plus de temps là-bas au passage qu'à la machine. Oui. Après, j'ai été un peu lent aussi, c'est pour ça. En plus, j'ai été un peu lent à la machine. Ça va. À la fin, j'ai un peu accéléré, j'ai compris. J'ai compris, une fois que t'as compris, en fait, c'est ça, au début, ça fait peur parce qu'on connaît pas ce qu'on la voiture. Ouais. En fait, une fois que j'ai fait le premier repli à 1 cm, okay. Là, j'ai un élastique qui est là. L'intérêt, en fait, c'est que je mets l'élastique à l'intérieur. Ok, on met l'élastique à l'intérieur du pli. Et ça va faire comme ceci en fait. C'est ça le principe. Et après principe. On plie. Ah il faut voir qu'on. Lui tu vois en fait c'est ça. L'idée c'est qu'on veut le faire comme ça, non, un peu plus bas. Ah oui d'accord. C'est cool. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer la tête de l'élastique ici, il fait 2,5. Ouais. Donc je vais rajouter là jusqu'à 3,5 ici. Et enfin, ah oui, pouvoir l'enfermer à l'intérieur. Ok d'accord. Et là ça va permettre de pouvoir avoir une de l'épaisseur ou c'est quoi l'objectif de plier comme ça à la fin les bords C'est pour déjà pas avoir de bords francs qui apparaissent. Ok. Et comme ça on va pouvoir enfermer l'élastique à l'intérieur. Ok d'accord. Voilà. Et donc là 3,5, voilà, je le mets là. Tu vois, ça me met. Je mets... En vrai c'est trop bien, ça fait un peu l'activité manuelle et tout. Voilà. C'est trop trop cool. Franchement, vous avez vu là, en quelques minutes, c'est fait. Une fois que c'est tracé, une fois que tout est plié, tout est repassé. C'est fini, il n'y a rien à faire. Je sais pas pour les gens qui nous regardent, mais moi ça m'a trop donné envie de m'y mettre et tout. La couture sera plus belle et ajustée. Ok, d'accord. Voilà, nickel. En fait, on verra pas un peu les défauts si on plie comme à Bali fait. On va pas voir les défauts devant l'habit, c'est ça? Oui, après, l'intérêt c'est que ça fait une ceinture en fait. On entend de créer une ceinture dans le vêtement. D'accord, ok. Et après, hop, on recoupe de passage. Voilà. Du coup, en fait, si tu veux faire de la couture, faut avoir une table de repassage. Voilà. Ok. C'est, ah ouais, c'est ça, je savais pas. Voilà, encore un nouveau conseil qu'on vous apprend ici à l'académie. En fait, c'est, je vous dis vraiment. Et puis même là, voyez, hop. Après maintenant, je trace parce que voilà. Mais je veux dire, à un moment, quand on commence à repasser à l'œil, à vue d'œil, on commence à. Quand on coupe, à un moment, ouais. À vue d'œil, on reconnaît même les. Centimètres. T'as plus besoin. J'ai l'impression là, il trace les lignes pour parce que faut vous montrer comment faire. Mais j'ai l'impression que t'as pas trop besoin. Quoi. Voilà, maintenant c'est. Je commence à avoir un peu le. T'as l'œil. Oui, je commence à avoir l'œil pour essayer de faire ça bien. De toute façon, on va faire ça efficacement. Okay. Et là, tu refais encore un coup de repassage. Oui, toujours. En fait, ça, je vous dis, ça permet du coup de bien.
Voilà, hop, du coup la jupe elle est quasiment faite en fait, on veut dire. Donc là, c'est la sorte de ceinture en fait. Voilà. C'est la sorte de ceinture qui va permettre en fait, c'est qu'on va être comme ça en fait. Et après oui, ça va remettre et après, dedans. Ça va remettre là. Et incroyable. Puis voilà. Vous voyez là, même, et l'élastique, je le prends pas à mon tour de taille. Il fait pas tout le tour de taille. Vous voyez, il s'arrête là. Okay. Parce que quand je voulais resserrer, c'est lui qui fait. C'est, okay, oui, on enlève toujours 10 cm au moins. Donc pour les gens qui veulent avoir qui prennent un élastique, c'est 10 cm en moins oui, de taille. Au moins. Au moins pour. Normalement il y a un calcul à faire, mais enlever 10 cm, ça suffit. On a la Chakiko qui dit le repassage est essentiel mais je ne repasse essentiellement que pour la couture. Voilà, c'est un peu ça. Moi c'est pareil. J'avoue, je ne repasse pas mes vêtements, mais quand il faut repasser, c'est quand il faut coudre, je peux pas faire autrement. Et d'ailleurs, je veux coudre du coup tout ce que je viens de faire, okay, et laisser une ouverture de 5 cm là pour pouvoir intégrer le comment on appelle ça, l'élastique. Ok, ah oui, l'élastique que tu as montré là, et on le mettra à l'intérieur. Oui, on le mettra à l'intérieur, et c'est lui qui va faire la taille en fait. Okay. Qui va centrer la taille. En fait, je pense que les gens qui font de la couture et qui repassent tellement pour la couture, c'est qu'après, du coup, ils ont trop marre clair, de repasser, et du coup, t'as plus du tout envie de repasser pour tes du propres vêtements. Du tout, pour rien du tout, j'ai plus envie de faire. Et là, du coup, tu passes. Ok, ouais, d'accord. Là, juste, tu vas fermer, en fait, tu vas fermer. Voilà, je vais fermer le lourlet. Ok. Tu fais un côté, moi, je fais le côté. Ok. Non mais ça fait, j'ai fait tout le tour là. Ah tu fais tout le tour là. Bah laisse moi la... Je vais te faire le bas. Ok d'accord. Il y a le bas à faire. Du coup tu vois c'est en 3... En gros cette jupe c'est 3 ourlets hein. C'est 2 ourlets. On fait une fois que tu les c'est as. C'est quoi la définition exacte d'un ourlet? C'est un repli qui permet de... Voilà bien merci de me mettre dans l'angoisse. Pardon, j'avais pas prévu ça moi. Tu me donnes plein d'éléments techniques et du coup bah je me dis... Alors l'ourlet en fait c'est le repli que vous voyez sur en bas des vêtements. Ok. Qui permet de... voilà. Ça, en vrai, si tu fais ça là, oui, voilà, c'est un ourlet. Donc là, j'ai fait un truc qui permet de replier, voilà, en dessous des jupes, des pantalons, de tout ça. Okay. Ça permet justement de couvrir, d'avoir une belle finition, quoi, de pas avoir les bords francs. Désolé, t'as remis dans une position, voilà. Hein. Tu vois, et là, il y a un prof de couture qui passe. Alors, ce que tu dis, c'est n'importe quoi. je vous allez sur Wikipédia ou sur Internet. Ouais, hein. No stress, ah, bah, allez, je sais que tu sais. pas de stress. T'inquiète. Okay, alors du coup, là on ferme. On ferme le. Bon normalement on épingle, en fait tu savais bon. Oui, moi voilà. Je sais faire. Ouais ok. Je peux. Oui, parce que oui, c'est ça que j'avais fait. Du coup moi j'avais fait avec les coutures. Et on épinglait pour bloquer le temps de faire la couture en fait. Oui. Parce que sinon ça bouge. Voilà. Et après du coup ça va pas faire une ligne droite, c'est ça? Tout à fait. Et ça va, je m'y connais. On épingle justement pour bien structurer les choses. Okay. Mais bon, quand tu t'y connais, quand tu commences. Surtout quand t'as repassé et que tu commences à bien manipuler les tissus. D'où l'importance de repasser pour bien figer l'ourlet et du coup après pouvoir faire une coupe droite. Pas une coupe droite, pardon, excuse-moi, mais une couture droite. Oui. Sans forcément épingler, ça peut être un peu une perte de temps. Voilà. Ça peut être une bonne. Finalement, on pense qu'on perd du temps à repasser, mais en fait, on y gagne. On y gagne, ouais. Énormément de temps. Donc là, je vais faire ça. On va avoir une jupe en moins de 20 minutes, c'est incroyable. Voilà. Et hop, on a quasiment terminé la ceinture. Voilà, hop. J'ai fait un petit point d'arrêt. Ok. Tac. Bon. Hop. Hop, du coup, je vais dire, on n'est peut-être pas encore complètement terminé. En vrai, j'ai trop envie d'en faire une housse de couette presque. Je trouve le tissu trop joli. Et hop, on y va. Attention, le premier test. Premier test. Ce soir. Est-ce que c'est bon là? Voilà, bon, okay, là il est un peu large. Et du coup, et là, en fait, on va resserrer avec l'élastique. Ça va donner un effet... Hop, j'ai l'élastique. Allez, hop. Du coup, l'élastique, on met comment? C'est quoi le meilleur conseil que tu peux donner pour mettre J'ai une épingle à nourrice, mais normalement, j'ai... On est là pour vous donner les meilleurs conseils. Alors, tac. Est-ce qu'elle n'est pas tombée? Les conditions du live, voilà. Les conditions du live, on a tout préparé avant, du genre mais 10 minutes, et on a perdu l'épingle à nourrice. Mais non. Tout va bien, bon attends. Mais elle doit être par terre, elle doit être par terre. Attends, tout va bien. Tout va bien, on adore. C'est pas. Ne stresse pas, tu sais ce que je sais. Je sais que tu le sais. Je suis pas stressé, ne t'inquiète pas. Alors, je vais l'intégrer comme ça. Non, on n'a pas l'épingle à nourrice. T'inquiète pas, allez hop, on va le faire à la bonne égale. Voilà. Mais là, non, ça c'est pas... Non, c'est pas des épingles à nourrice, ça. Non, c'est des épingles, justement, les épingles à nourrice font le tour. Mais t'embête pas. Tu vas y arriver, tu vas arriver sans? Ouais. Le tissu est assez rigide pour que je puisse bien gérer. Parce que du coup, normalement, pour donner les bonnes informations aux gens, on doit... Attends, je vais mettre la caméra bien.
Attends, je vais enlever ça là. Tac. C'est que normalement tu mets l'épingle à nourrice. Oui, pour bien bloquer. Okay. Ou alors il y a des retourne-biais ou des. Il y a des outils ouais. qui permettent de d'intégrer le nécessaire en fait là-dedans. Okay. Mais voilà, l'idée c'est que en fait je vais te faire laisser faire le LED du bas, ouais. parce que avec deux repassages. Mais il sera moins épais que celui-là, pour le coup. Pourquoi ? Parce que c'est juste celui du bas, c'est pour fermer, en fait, c'est pour éviter de que ça ne déborde. Sinon ça t'aurait dû la jupe encore trop court. Ah oui, ok, du coup ça va un peu, ouais. Ok. Mais une fois que je l'intègre, voilà, tu vois, elle est quasiment terminée là déjà. Ouais, c'est vrai que bah, là, on va repasser ça. Ouais. Pour bien figer. Là même plus besoin en fait, vu qu'elle est déjà repassée. Ah oui, on okay, va l'intégrer, fermer. Ok. On va juste piquer le ce qui manque là. Ouais. Et puis après on est bon. Voilà. Et puis après. En bas, on va faire le LED du bas et c'est réglé. Et quoi. C'est réglé. Ok, d'accord, trop bien, incroyable. T'as vu comment en quelques temps. Finalement, vous voyez, en fait, il suffit de se lancer au final. Ouais. En vrai, je pense que c'est un des meilleurs conseils que tu peux donner tu peux donner aux gens, c'est juste se lancer et tout. Voilà, moi, je vous dis, il y a 2 ans, je savais même pas. Je savais pas, je faisais mes premières jupes, je faisais des trucs pour les nièces, pour les enfants, les enfants, les amis, je dis bah. Le cadeau fait main, qui fait toujours plaisir, qui vous a pris 15 minutes à faire. Bah oui. Et une housse de couette quoi. Même pas. Du coup tu faisais quoi avant? Alors j'étais salarié dans une entreprise de. Dans une asso d'ailleurs. Okay. Dans une asso. Et après je me suis lancé. Là depuis je me suis lancé à mon compte. Ok. En freelance. En freelance, du coup j'accompagne des boîtes créatives. Donc des boîtes de l'univers, du DIY, de la mode, du coup de la couture. C'est du coup toujours dans un spectre écologique ou pas que? Pas que, mais l'idée c'est que petit à petit, de toute façon pour moi, ok je vais pas dire que voilà, mais il y a une dimension écologique nécessairement dans cet esprit-là, okay. de se dire que moi en passant par là, ça change complètement le rapport aux vêtements. Oui, on en parlait tout à l'heure justement. Tu te rends compte que en fait, vu le temps que ça prend, et les coûts des matières premières que ça te coûte, ouais. tu comprends bien que le t-shirt à 5 euros, c'est pas possible. Oui, c'est ça que j'allais dire. Est-ce que du coup c'est moins cher de faire ses propres vêtements ou pas? Ça dépend avec quoi on compare. Ok. Si vous voulez comparer à Zara ou Shein ou toutes ces histoires-là, vous n'allez pas vous en sortir. Okay. La passion jaune, c'est mort. Vous allez pleurer parce que le métrage de tissu, vous allez dire ok, je lâche l'affaire. Ok. Métrage de coton, 9 euros. Ok, même si on prend au marché de je ne sais où, ça va être difficile de compétir avec eux. Sans les matières, les bonnes matières, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, okay. nécessairement. Après, si on prend du polyester mal fagoté. Ouais, et encore, même celui-là, il n'est pas toujours pas cher. Okay. On ne pourra jamais me faire moins cher que Zara. Après, si on compare à des marques déjà plus responsables et plus qui vont dépasser dans les 150 euros, okay. on peut très bien, comment dire, on est moins cher. Okay, d'accord. On peut s'en sortir pour pas mal. Par exemple, les manteaux, ouais. si tu fais bien ton manteau, tu peux t'en sortir à 150 euros au lieu de 600-700 euros. Oui, c'est ça, ok. Ça dépend de sur quelle échelle tu te bases et à quoi tu te compares en fait. Voilà, exactement. Ok, parce que du coup, tu auras quand même, après, quand j'imagine que tu commences un peu à te perfectionner, tu vas avoir aussi de la bonne qualité. Voilà. Si tu choisis de la bonne matière et au bout d'un moment... Voilà, tu vas commencer à y gagner quand tu commences à comparer avec des gros trucs. Ok. Voilà, après, c'est sûr que ça sera pas toujours parfait, ça sera pas toujours machin. Et puis, il y a aussi le truc de « c'est moi qui l'ai fait ». Ouais, je pense qu'il y a ce côté-là... Voilà, ce côté « c'est moi qui l'ai fait », c'est juste... Ça n'a pas de prix comme... Ça a été quoi ton déclic, toi, pour te lancer justement dans une aventure comme celle-là? En fait, je vous dis, j'ai quitté ma boîte c'était des conditions assez spéciales. Ok. J'ai demandé une rupture conventionnelle tellement j'en avais marre. Ok. Et je me suis réveillé, je vous jure, mais comme une envie de pisser. Mais vraiment. Je suis désolé de dire l'expression, mais non, c'est vraiment comment on dit. Et je me suis réveillé comme ça. Je pense que c'est un truc que j'avais toujours pu dès le départ parce que j'avais appris vaguement 2-3 points à la main quand j'étais au collège. Et là, je me suis réveillé avec une force, une envie de créer comme ça. Là, j'ai commencé à aller fouiller, à me renseigner, j'ai commencé à bouffer des trucs. La passion est venue toute seule. Et puis, dès que je me suis lancé, quand j'ai vu que j'avais réussi à faire mes premiers projets, mais comment j'étais fier comme un coucou, je vais vous dire que le truc de... Voilà, ouais, j'ai déjà intégré. Le truc de dire, quand je fais son premier masque, on peut les premières photos, c'est moi qui fais mon masque, ou moi le tissu super mignon, et pas juste... un truc hyper moche en chirurgical et que tu vois un truc super beau que tu apprécies et qui est beau, et bah sachant en fait ça m'a même fait regagner confiance en moi. J'étais parti dans une boîte, forcément quand on est en rupture co et compagnie, on sort, c'est pas valorisant, on se sent un peu affaibli, fatigué. Ouais. La couture m'a redonné de la force, m'a redonné de la confiance en moi, m'a redonné
la joie de vivre, la joie de sortir juste en fait, d'apprécier, de me rappeler que je pouvais faire de belles choses, me reconnecter avec moi-même en fait. C'est trop bien ce que tu nous dis, ça, je pense que c'est un discours hyper important, que ce genre de pratique manuelle et même le fait de s'engager dans quelque chose qui se plaît, qui te plaît, oui. ça t'apporte aussi plein d'autres choses, autre que le côté professionnel, et que le côté, ça t'apporte des trucs très personnels qui peuvent être très importantes, quoi. Tout à fait. On a Shishakiku qui nous dit, c'est très gratifiant, et tellement un plaisir de se concentrer sur sa création, une bulle de détente. Tout à fait. Et là, du coup, quand on a mis on a fini d'insérer l'élastique, ouais. Je vais le fermer du coup avec un point serré. Ok. Et Danine qui nous dit, chouette, effectivement, de sentir la passion. Ouais, ça se sent. Hein. la façon dont tu racontes ça, j'ai l'impression que je vois très bien le réveil que tu as eu, le déclic. Ah oui, oui, non, et mais... Tu sais que c'est une question que je pose souvent aux gens qui viennent ici, discuter avec moi, parler de leur projet, parler d'eux. Je leur demande souvent qu'est-ce que ça a été pour eux le déclic. Le déclic, moi je pense que c'est un truc qui était enfoui. Ok. Que j'assumais pas ou j'ai pas creusé. Et je pense que j'en avais marre aussi de ne pas pouvoir créer mes propres trucs. Je me suis dit, enfin, vraiment, stop. Si les autres le font, c'est que je suis capable de le faire aussi. Et je me suis dit, allez, go, j'y vais. Je me pose plus de questions. Et c'est parti, quoi, en okay, fait. Ouais. Et c'est comme ça que ça s'est fait au final. Mais du coup, est-ce que c'est aussi peut-être l'exemple de d'autres personnes qui ont fait ça? Ou c'est vraiment toi tout seul? Vraiment, moi, tout seul. Franchement, je ne saurais pas vous dire. En fait, c'est juste que je me dis, je suis parti. J'ai commencé à regarder des blogs. J'ai commencé à regarder des chaînes YouTube. J'ai vu des trucs qui étaient faisables. En plus, mon anniversaire, deux semaines après, j'ai eu une machine à coudre. Mon anniversaire, je dis c'est parti. Allez, alors bon là, coup. Il n'y avait plus de sujet. Vous voyez, la jupe, elle est faite. Ok, du coup, là, on a l'élastique. Là, on approche de la fin de l'atelier. Là. C'est incroyable ce qui se passe. Voilà, hop, du coup, je la remets. Mais du coup... Et l'élastique, ça s'achète où, comme c'est ce genre de... C'est en mercerie. Il y a la mercerie des Charentes qui était super mercerie pour ceux qui démarrent. Vous voyez là, ça tient à ma taille. Ok. C'est un beau. Donc ça, c'était l'élastique de 10 cm au moins de ta taille. Voilà. C'est ça. Et du coup, tu vois, ça tient, comme ça. Bon, ok, incroyable. Vous voyez. Non, là, on va faire l'ouvrage du bas. Ok. Et ça, du coup, ça, tu fermeras. Après, c'est pour pas avoir ce genre de choses. Voilà, c'est pour pas avoir un bord franc. Et du coup, on fera comme ça. Et après, on repassera. Et après, on sera bon. Voilà. Un, deux. Et comme ça, c'est nickel, c'est propre. Il n'y a rien qui dépasse. Et c'est parfait. Ok, voilà. Bah, vas-y. Je fais les finitions. Je fais le travail le plus facile. On a la Shishakiku qui nous dit, il m'a découverte grâce à la couture. Que dire de mieux? Voilà. C'est clair. Je suis très bavarde, mais à Bali me recentre et me motive cette communauté toujours bienveillante. Et j'ai l'impression que c'est ça qui ressort le plus avec les effilochés. Oui. Ce côté très bienveillance. Oui. Le fait de se retrouver tous les vendredis, le fait de se retrouver à des ateliers. Exactement, on n'est pas là dans le jugement, on est dans l'aide. Chacun essaie de donner sa part, chacun essaie d'apporter ce qu'il peut. J'ai appris un truc, j'ai appris une technique, et vous savez qu'il y a ça. C'est des bons plans, en fait, c'est des amitiés qui se créent. Mais tu sais que dernièrement, je réfléchis sur la façon de passer de la sensibilisation à l'action. Et typiquement, les associations sont un exemple parfait, qui sont qu'en fait, c'est des personnes qui se sont regroupées, qui sont retrouvées, qui ont créé des projets, qui ont créé des choses ensemble, pour pouvoir passer à l'action. Et la façon dont on parle du fait de ce groupe, de cette communauté bienveillante que tu as créé, et que vous entretenez justement, pour moi ça peut être un des arguments de comment passer justement de la sensibilisation à l'action. Et je pense que le fait de pas être seul en fait. Oui, il y a le fait de pas être seul, d'avoir des conseils, d'être accompagné vraiment dans le sujet. J'ai dit, c'est que par exemple moi parfois j'arrive avec des difficultés, un projet où j'arrive pas forcément à le développer. Quand vous êtes trois à réfléchir à comment finir, on se pose, ça rigole, ne serait-ce que de simple fait de savoir qu'il y a des gens qui te soutiennent ou qui te permettent d'avancer, ça te met déjà dans un bon état. Ouais. Il y a des projets que j'arrive pas à finir chez moi, j'arrive ici, je le finis en 2 heures. Okay. Parce que je sais que il y a des gens qui me laissent pas faire des conneries et que j'avancerai, quoi. J'en mets la caméra pour qu'on voit bien. Mais ouais, je pense que je vais vraiment beaucoup réfléchir sur le fait d'être un groupe. Tant pour toi, du coup, ça t'a vraiment énormément apporté le... Ah oui. Parce que du coup, parce que tu as créé les Effilochés, tu es le oui. président des Effilochés, donc tu es le créateur de cet assaut. Oui. Pourquoi, du coup, qu'est-ce qui a été... Le déclencheur. Ouais, le déclencheur de qu'est-ce qui t'est dit, ok, là, il faut que je crée une assaut, regrouper d'autres gens qui ou créer cette communauté. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Alors, on était parti, je crois, avec Vanessa, au salon Création Savoir-Faire. Ok. C'est un salon de la communauté, tous ceux qui voulaient DIY, ils vont, quoi, c'est un peu la messe du secteur. C'est en fin d'année, entre novembre et décembre. Tu dis que ça s'appelle comment?
le CSF création, ça va faire le salon. Ok. Bon, on a déjà les informations dessus. Et le salon en question, et on y est allé. C'est un salon marchand hein, à la base. Hein. Les gens viennent acheter des produits pour Noël, pour ce qu'on veut. Et on s'est rendu compte en fait que, comme on se parlait tout le temps sur Instagram, tout ce bon monde-là, qu'il manquait un espace, un moment, un endroit où on aurait pu tous se retrouver pour coudre ensemble. Parce qu'en fait, la couture, quoi qu'on en dise, ça reste quand même un loisir assez solitaire. Okay. Parce que quand tu chèves chez toi, dans ton coudre, c'est pas comme le foot où tu peux avoir ton pote d'à côté, quoi. Ouais. Et dire, ok, là, on te dit, là, il est bien, mais super, merci, au revoir. la conversation va s'arrêter très vite. Ouais, bah j'imagine. Alors que là, en couture, tout l'intérêt, c'est de dire que... Là, de discuter avec les gens qui comprennent quand tu dis purée, j'arrive pas à faire mon ourlet comme il faut, que la personne en face comprenne sans que tu lui racontes, sans que tu paniques, oui, ou quoi, sans que tu le saoules, En fait, c'est te rapprocher des gens qui te comprennent. Voilà, qui te comprennent. Et je pense, puis, ouais. On avance aussi ensemble. Okay. Parce que quand tu vois Chicha, par exemple, qui est là derrière pour m'assurer le backup, qui m'assure, est-ce que tu as fait ceci, est-ce que la technique que tu utilises n'est peut-être pas la bonne, ton repassage n'est peut-être pas le mieux, t'as appris de cette façon, peut-être c'est pas ce qui convient, des façons plus simples de faire. J'organise par exemple moi des week-ends couture entre hommes, on se retrouve. Voilà, c'est des moments comme ça où c'est des moments pour se retrouver, se ressembler. Ouais, c'est des moments de partage, en plus ça redonne de la motivation, le fait de ne pas se sentir seul dans ce que tu fais et dans ton engagement. Et je pense que ça peut être un vrai moteur de motivation et même d'action en fait. Oui. En fait tu vois d'autres gens comme toi, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes idées, qui ont les mêmes problèmes, les mêmes freins, et que du coup, de pouvoir se regrouper et d'en parler, bière, foot et couture. Voilà. Bah oui, clairement. Ça peut être le nouveau concept, oui. Bière, foot et couture. Bah oui, et puis en fait, et surtout, ça change en fait, la couture, à un moment, ça devient un prétexte même en fait à se retrouver, parce que pour le coup, on est là, on kiffe tous ensemble, on passe du bon temps, on apprend les choses ensemble, et on crée aussi ensemble. Ouais. Parce que pour le coup, parfois, j'ai réfléchi quel bouton je choisis, est-ce que je prends tel tissu. En fait, c'est même plus la création même que la couture technique en soi. Mais tu sais que le côté création... Ah, du coup, c'est mon tour de faire la Tout à fait. Je vais baisser le son. Le côté création est aussi très, très important. Alors, attends. Je me concentre juste pour ça. Tu peux le faire comme ça. C'est pas un problème. A priori, ça doit être l'autre sens. Mais... Je vais baisser un peu, moi, parce que je suis pas aussi fort que toi. Allez, hop, je vais le mettre dans une posture. Alors je vais essayer de le mettre à gauche. Je fais. Ah tu peux. Ah oui, c'est incroyable. Je peux déplacer l'aiguille en fait pour que elle soit parfaitement positionnée. Voilà, comme ça tu peux suivre. Je vais pas te mettre trop toi là. Voilà. Tac. Comme ça. Du coup, je peux finir mon propos pour l'instant. Oui, vas-y. Je disais que le côté création, c'est aussi le fait de quand tu passes à l'action. Ça t'aide à ne pas perdre cette motivation à propos de tes valeurs et dans ce que tu défends comme cause. L'action, c'est justement aussi ce côté-là de quand t'es sensibilisé, c'est bien, quand t'en parles, c'est bien et tout. Mais au bout d'un moment, le fait de pas créer, de pas interagir avec des gens comme toi ou de pas faire des choses en tout cas, ça a du coup atteint ou tes valeurs atteignent un peu des limites, je dirais. Tout à fait. Et puis surtout quand on est ensemble, pour le coup, il y en a aussi pour te rappeler. N'oublie pas pourquoi on le fait, c'est aussi ça aussi. Et puis tu vois que ça a un sens, un impact, c'est un impact sur d'autres, des gens qui pensent comme toi, qui voient ce que tu fais. C'est le tout le principe d'être un exemple et du coup tu influences certaines personnes ou tu comme en étant juste toi-même et en faisant juste ce que t'aimes et en étant en lien et en lien avec tes valeurs en fait. Voilà. Et puis c'est un partage complet. Tu vois, la couture m'a tellement impacté. Tu as fait le point d'arrêt ou pas? T'as reculé, t'as pas oublié. Mais bon, vas-y, fais-le, en revenant, ça va revenir. Est-ce que je peux le faire maintenant, sinon? Non, en faisant le tour, ça va revenir okay, dessus. Ok, d'accord. Voilà, la couture m'a tellement impacté que, vous voyez, j'étais dans une activité, quand je me suis lancé en freelance, pour le coup, parce que j'accompagne aujourd'hui des boîtes, comme je disais, des boîtes créatives, des boîtes de la couture, dans leur développement de communauté. Parce que moi, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose que je développe avec plaisir, le développement de communauté, le renseignement de communauté. Et il se trouve que maintenant... depuis que je fais ça, j'ai laissé mon activité. J'ai tout reconcentré dans la couture, dans l'univers de la couture justement. Et je travaille les marques justement qui ont besoin de ça, de rassembler les communautés, d'aller au-delà du simple produit. De dire, on se retrouve, il se passe des choses derrière, il y a de l'humain. Le retour à l'humain, ça fait
quand je parle de ça, ça va être travailler sur les réseaux sociaux, ça va être sur plein d'autres sujets en fait. Bah quand c'est tout ça qui crée une communauté, c'est ça en fait. Ouais. Voilà, exactement. Est-ce qu'on est bon là? Vas-y, on va y arriver. De toute façon, tu auras fait le lourlet, hein, même s'il n'est pas parfait, c'est pas le sujet. Ouais, c'est ça. C'est surtout montrer à quel point en fait c'est hyper accessible. Voilà, c'est hyper simple à faire. Attention, là, c'est hyper simple, mais il faut faire attention quand même. Voilà, attends, bah, attention. C'est le frais, hein. Sinon, ce serait un peu trop facile. Ça reste quand même un métier. Ah oui, parce que là, clairement, on fait ça un peu, pas à la va-vite, mais bon. Ouais. Un peu à la va-vite. Ouais, quand même un peu, parce que. Il y a des choses. Je pense que s'il y a des pros qui nous regardent, ils sont là, mais qu'est-ce qu'ils font là derrière? Non, mais ça va, non, ça va. Ça va? Franchement, ça va. Le repas. Ils ont vu qu'on a bien repassé, c'est le plus important. C'est le plus important là. Incroyable. Mais du coup, je pense que c'est typiquement le genre de discussion que je suis très content d'avoir ça en live pour aussi en parler avec les gens et qui nous écoutent. Et aussi peut-être montrer que nous, on est là à s'engager, à mettre en place des actions, à créer, à discuter avec des gens qui ont pas les mêmes valeurs, parce que on n'a pas forcément tous les mêmes valeurs. Moi c'est peut-être plus l'écologie, toi c'est plus du coup la culture, la communauté, la création et tout ça. C'est ça la mode. Voilà, on a des sujets différents, mais on se regroupe dans notre engagement en fait. Complètement. Le but c'est aussi de se retrouver, d'être en groupe, de voir. Moi j'ai toujours cru en la force du groupe, parce que c'est je trouve que le groupe en fait qui se mêle et qui fait des choses ensemble, ça a plus de force que tout. Quand le groupe décide de. Quand le groupe se réunit pour se dire ok on va faire ça, je trouve ça toujours d'autant plus fort parce que pour le groupe, les Ifilogies n'auraient pas existé sans le groupe. Ouais. Le festival n'aurait pas existé sans le groupe. Parce que le festival qu'on fait samedi, et bah il y a quand même. Il doit y avoir 20-25 animateurs qui le font bénévolement avec plaisir. Je parle même pas des gens qui. Des bénévoles qui vont être sur l'événement pour guider les gens, pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et parce que ça va être un gros événement hein, ce samedi. Oui. Toute l'académie est un peu mobilisée, je dirais presque, ouais. Pour ce festival. Hein. Tout à fait. Donc c'est un gros truc. Hein. Voilà. Je suis désolé de te couper, mais je suis arrivé à la fin, je pense, non? Ou je vais aller jusque là? Si, non, tu es là, jusque là. Ah, je vais jusque là? Comment oui. Tu sais que c'est... Ah bah oui, je suis... Bah oui. Ok. Je suis là depuis 3 minutes en me disant, bon, je vais le couper dans son discours, mais... Je me suis dit, mais pourquoi il s'est arrêté? Arrête. Voilà, tu vois, en somme, même fait à la va-vite, entre guillemets, okay. La jupe, elle est faite, quoi, au final. Ah, c'est clair. Alors là, je fais le point de retour, c'est ça? Oui. C'est là, hein? Non, plus bas. Là? Oui. C'est le milieu. Même pas besoin de faire le point de retour. Si tu recousses sur la couture précédente, ça le fait. Comment ça, je recouds sur la couture précédente? En fait, le point de retour a pour but de recoudre sur la couture. Ok. Ah, et donc mais si je reviens dessus? Si tu reviens sur la couture, comme ça, en cercle, okay. Si tu repasses... C'est la couture que tu avais faite précédemment, ça aura le même résultat au final. Du coup là je repasse tout ça dessus. Non, 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 juste un petit peu sur 3-4 points, c'est suffisant. 1, 2, 3, 4. Voilà, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, ça va, ça okay. Va le faire. Donc là, j'appuie sur ça pour enlever. Ouais, pour lever. Pour lever. Ouais. Tu lèves le pied presseur là. C'est bon. Okay. Tu tires en arrière. Ah non, tu lèves l'aiguille quand même. Pas... Si j'appuie. Non. Ah. Je l'ai vu. Mince. Ok, et là je vais là. Voilà, hop. Ok. Donc la jupe elle est faite, tu peux me la porter si tu veux. Je peux la porter, yes. Après, il suffira juste de fermer. Est-ce qu'il faut pas que je repasse ici? Bon ça on fera. Oui voilà, c'est suffisant. Bon, bon, l'essentiel est là, mais voilà, okay. Elle est faite quoi, tu peux la montrer. Tac. Mais voilà, après je pense que l'élastique il a pas marché pour moi. Hein. J'ai un peu peur que. Non mais au moins l'idée est là, c'est. L'idée est là, clairement. Hein. En une demi-heure, hein. Même pas hein. Ouais, même pas. C'est en vrai, ça rajoute un petit look avec mon pantalon là. Ok, voilà. C'est bon, pas beau là. J'ai la jupe. Voilà. Yes, bravo. T'as vu? Elle est fantastique. Incroyable. Je sais pas s'il voit bien. Attends, je vais essayer de... On va essayer de faire. En vrai, là, ça va, là, ça va. Vous voyez ou pas? Alors, en moins d'une demi-heure, on a réussi à se faire une jupe. Voilà. En vrai, incroyable. Avec une machine, 2-3 aiguilles, un fer à passer. En vrai, c'est ça. Trop beau, bravo. Bah, merci beaucoup. Voilà. En vrai, je suis vraiment content. Je peux la garder ou pas? Bah oui, vas-y. Yes. Avec plaisir. Trop bien, merci beaucoup. Bah voilà. Bah voilà. En tout cas, c'était une trop bonne discussion sur le côté, je pense, communauté, groupe. Mm-hmm. Je pense que c'est des valeurs qui sont pour moi hyper importantes et je suis content qu'on ait pu en parler. Merci. C'était trop bien. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour l'invitation. Il faut que je me mette là pour pouvoir faire la transition. J'ai gardé ma jupe, hein. Je pense que je vais aller ce soir. Merci beaucoup d'être passé. Alors attention au micro, tac. D'accord. Alors, en tout cas, bah voilà, ce samedi, c'est le festival des arts du film. Mm-hmm. Tous les vendredis soirs, vous pouvez retrouver les Ifilochés. À l'Académie du Climat. Mais pas demain. Pas demain. Non, bah demain, ouais. On prépare le festival. Ouais, c'est vrai, il y a préparation du festival. Ceux qui veulent venir, clap, clap, très belle jupe. Merci beaucoup. Bah, on va se mentir, à Bali a fait beaucoup de choses quand même. Mais bon, voilà. Merci beaucoup d'être resté avec nous et d'avoir suivi ce live. On se retrouve du coup pour la semaine prochaine pour une personne qui...
comment je pourrais spoiler, mais sans trop en parler, ça sera sur le thème de la biodiversité et on va parler école buissonnière. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec ce peu d'indices-là. On te retrouve toi du coup samedi, pas vendredi, mais par Oui, contre tous les vendredis soirs à l'Académie du tout à Climat fait. et un samedi sur deux, si je dis pas bêtise. Il n'y aura pas de jour en moins, mais il y aura des Voilà effilochés en tout ça, cas qui c'est seront les là. effilochés. Hein. Quand je désigne toi, je désigne l'association Les Bien Effilochés. sûr. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, quelque chose à vouloir communiquer aux gens ou tu as déjà tout dit? Je vous dis, l'essentiel, c'est venez samedi, que vous savez coudre ou vous savez coudre ou pas. Et il n'y a pas que de la couture, il y a tout un tas de choses. Si vous voulez juste découvrir, même en étant curieux, en famille, c'est ouvert à tout le monde, il y a encore plein de places dans certains ateliers. Allez-y, inscrivez-vous. C'est ce que j'ai à dire. Et Voilà. venez kiffer avec nous Là, samedi. venez kiffer avec les effilochés. On se retrouve la semaine prochaine. La Chichakiku, un vrai plaisir. On a la semaine prochaine. On est là la semaine prochaine. Un vrai plaisir pour nous aussi. C'était super drôle. On s'est grave amusé. Merci. Et on vous dit, et plutôt je vous dis, il y a une buvette pas chère. Et il y a aussi une buvette pas chère. Je pense que vous pourrez trouver à Bali à la buvette pas chère en fin d'après-midi. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Salut, Ciao. ciao. Ciao.